J'espère que vous portez bien et que vous passez un très bon dimanche. Moi, je passe un dimanche, il pleut un peu ici, il fait un peu froid, mais ça ne m'empêche pas de pouvoir discuter un peu avec vous. Voilà. Donc, déjà, je vais commencer à dire merci encore une fois de plus à ma TKC, hein, et bon dimanche à toute ma TKC, bon dimanche à tous mes fans dans le monde entier. Hein, et merci à tous ceux-là qui m'encouragent dans mon commerce. Dans ce que je fais. Merci à vous de me faire confiance. En fait, je voudrais aujourd'hui donner des conseils et je voudrais vous donner des conseils aux clientes et aux commerçantes. Mon film, je vais d'abord mettre pause sur mon film. Excusez-moi, j'étais en train de regarder un film. Mettre pause. Ok, qu'est-ce que j'ai fait là? Je vais mettre quand même la musique, un petit fond de musique, non? Pendant qu'on cause. C'est plus beau. Hein? C'est plus beau comme ça. Je vais baisser. Il y a beaucoup de personnes qui adorent cette chanson, donc je vais mettre avec un petit fond. Ça, c'est la chanson de mon père. Se lever le matin avec ça. Je mets un petit fond. Voilà, donc je vais donner des conseils aujourd'hui à certaines commerçantes, hein, à certaines clientes aussi. Voilà. Donc déjà, je vais commencer par dire quoi. Je pense que mes compatriotes, mes consoeurs qui font le même métier que moi sur la toile, donc quand je dis métier, qui font la même chose que moi. J'ai jamais demandé qu'on sabote le business ou le commerce de quelqu'un. Jamais je l'ai fait et jamais j'ai demandé à ma TKC ou à mes fans de saboter le commerce de quelqu'un. Et là, depuis quelque temps, je constate que des teams, certaines teams-là, je ne vais pas prendre le nom des teams, je vais seulement dire certaines teams, je n'ai pas envie de me mélanger, je ne me mélange plus. Donc, certains teams ont tendance à vouloir saboter ce que je fais. Ça ne me dérange pas, hein? C'est juste pour parler, pour dire que je pense que moi, je n'ai jamais demandé qu'on sabote le produit ou le business de quelqu'un. Si vous voulez commencer à saboter mon business, ma TKC, mes gens vont commencer aussi à saboter vos produits. Ça va nous amener où? Ça va nous amener où? On dit quand ta soeur fait quelque chose qui est bien, il faut encourager. Il faut dire, c'est bien. Comme moi, j'ai l'habitude de faire. Je ne suis pas une complexée. Je ne suis pas une envieuse. J'ai tout ce qu'il faut où il faut. Je suis sûre que de toutes les blogueuses, là, je suis la plus jolie. Oui. De toutes les blogueuses sur la toile, j'ai de la présence. J'ai le charisme. Tout va avec moi. Je porte le caleçon, ça me va. D'accord. Si je veux aussi aller me maquiller comme vous vous maquillez là, mettre les make-up là, je suis jolie. Je vous tape toutes. Je n'ai pas besoin de mettre toutes ces choses-là. Donc la jalousie, mettez la jalousie de côté. Cherchez à progresser aussi, cherchez à faire quelque chose. Ne cherchez pas à me saboter mon business. En voulant saboter mon business, je pense qu'on avait donné des avertissements ici, là, à certaines teams. Dites à vos teams de ne pas insulter Maman PRP. Mais non. Sachez que quand vos teams m'insultent, ma team aussi va se révolter un moment. Ils sont restés trop tranquilles et calmes en disant que j'avais donné l'ordre ici de saboter aucun business sur la toile. J'avais dit de ne jamais saboter un business. Mais il y a un moment où il y en a marre. Quand vous me sabotez, ce n'est pas parce qu'on a peur qu'on dit que j'ai demandé de ne pas saboter le business des gens. Ce n'était pas par rapport à la peur. Vous savez que sur la toile, là, je suis la plus courageuse de vous tous. Vous vous mettez sur les réseaux sociaux, vous criez, pop, 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 mais vous n'agissez jamais. Je suis la seule qui peut prouver. Quand moi, j'ai toujours dit, j'agis. Donc, vous faites le bruit là sur les réseaux sociaux pour rien. Donc, quand je dis qu'on ne sabote pas le business de quelqu'un, ce n'est pas par peur. Non, je n'ai peur de personne. C'est juste que j'encourage ce qui est bien. Quand c'est bien, il faut encourager. Il ne faut pas saboter. C'est ça qui montre toujours qu'on dit que le Camerounais, l'Africain est haineux. Vous m'avez traité ici de haineux, mais aujourd'hui, on voit que les qui sont des haineux. Vous venez saboter mon business, vous sabotez mon business par rapport à quoi? Si j'étais comme vous là, vous les gens, les haineux là, que vous êtes vraiment les haineux. Vous savez combien de clientes m'ont déjà appelé pour se plaindre de certaines personnes qui font le même business que moi? Est-ce que vous savez combien de personnes? C'est surtout pour ça que je vais me parler aujourd'hui. Je veux donner des conseils à mes consoeurs qui font le même business que moi.
Mais sœur, quand vous vendez les produits, comme moi là, si quelqu'un utilise mon produit, il sent qu'il y a un bouton qui sort là comme ça, qu'il arrête tout de suite, il m'appelle. Il me dit, voilà, la chancelière, tu m'as vendu un produit qui est en train de me faire tant. Je vais te dire ce qu'il faut faire. Je ne veux pas me mettre à crier sur toi ou pour t'insulter parce qu'il y a beaucoup de clientes qui se plaignent. Je tiens à rappeler à mes consoeurs qui vendent des produits que le client est roi. Quand quelqu'un vient dépenser l'argent chez toi, il faut respecter cette personne. Parce qu'il y a beaucoup, nous sommes nombreuses qui faisons ça. On n'a pas besoin d'insulter le client. Alors que le client, sa peau est en train de s'abîmer, au lieu de calmer le client, vous vous insultez plutôt les clients, les clientes. Ce n'est pas comme ça qu'on fait le business. Il faut être patient dans le business. Et quand on fait le business, n'ayons pas les longs yeux. Moi, quand une cliente vient, elle m'envoie sa photo, je constate que je peux arranger. Je te dis que je peux arranger. Si je ne peux pas arranger, je te dis que ma soeur, au niveau, c'est là, hein, il faut aller voir un dermato. Mais j'ai remarqué que vous, là, vous arrachez dans leur poche. Et quand ils viennent se plaindre, vous les insultez. Ce n'est pas comme ça qu'on fait le business. Ne cherchons pas à devenir riche et gâté. Nous ne sommes pas, je ne sais pas comment je peux appeler ça. Il y a les gens qui sont allergiques à certains produits. Il y a certaines personnes qui sont allergiques. Que quand elle va utiliser un produit, toi, ça va donner sur l'autre, mais sur elle, ça ne va pas donner. Quand elle vient te voir, tu lui dis que voilà, c'est sûr que mon produit ne va pas avec toi. Vous essayez de voir comment est-ce que vous parlez, mais pas insulter. Parce que tu as encaissé l'argent, tu te mets à insulter la cliente. Ce n'est pas comme ça. Si j'étais comme certaines là, ce que j'ai déjà fait, comme certaines groupes là, les teams là, ce que j'ai déjà fait écouter mes voix, ce que j'ai déjà fait écouter, montrer les photos des gens qui ont été gâtés. Mais ce n'est pas mon truc, moi je ne connais pas faire ça. Je ne connais pas faire ça. Même si cette personne, ma consoeur qui fait le même business que moi, fait n'importe quoi, je pourrais lui dire peut-être que oh, je peux gueuler, mais venir montrer les photos de ces gens, ils m'ont fait confiance avant de m'envoyer leurs photos. Ils m'ont fait confiance avant de m'envoyer les voices que peut-être ces clientes, ces vendeuses-là, ces revendeuses les ont laissées. Il faut que quelqu'un te fasse confiance pour te montrer sa photo. Si elle ne te fait pas confiance, elle ne peut pas te montrer sa photo. Alors moi, je me vois pas en train de prendre la photo de quelqu'un pour montrer que regardez ce que le produit de telle personne a fait. Parce qu'il y a plein de clientes qui m'ont appelé. J'ai au moins plus de 20 clientes qui m'ont appelé que j'ai pris les produits chez telle personne. C'est ça qui m'a gâté comme ça. J'ai pris les produits chez telle personne. C'est ça qui m'a gâté comme ça là. Et quand je demande, et quand tu pars réclamer, on t'insulte. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Merci d'avoir mis le numéro. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Moi, je vous dis, je vous ai toujours dit, si vous me reprochez quelque chose, venez vers moi. Si mon produit t'a fait une petite tâche, appelle-moi vite, arrête tout de suite. Parce que moi, si je veux vous dire, vous, les clientes là, parce que toutes les clientes que j'ai vues qui ont été gâtées, les visages qui ont été gâtés, la peau qui a été gâtée, vous avez laissé longtemps. Moi, par exemple, quand j'utilise, je teste, moi, tous mes produits, je teste d'abord sur moi-même. Donc, si je constate que ça m'a fait tac, j'arrête. Mais vous avez laissé beaucoup parce que quand je vois, ça te détruit complètement le visage. Ça te détruit. Donc, ça veut dire que ça a commencé ici, tu n'as pas arrêté, tu as continué à mettre. Non, quand ça fait comme ça, là, moi, je vous dis, je vous parlais de mes produits à moi déjà. Là. Quand mon produit te fait un petit, tu sens que ça te fait une petite allergie. Moi, j'appelle ça allergie. Donc, quand tu sens que ça t'a fait un bouton comme ça, arrête tout de suite et tu m'appelles. Il ne faut pas continuer. Je ne vais pas t'insulter parce que tu m'as dit que mon produit... Non, c'est normal. Le client est roi. Le client est roi. Et sachez que quand tu es gentil avec le client revient. Rien que par rapport à la façon dont tu te comportes. Parce qu'il y a beaucoup de clients qui se plaignent du fait qu'elles ont appelé. Quand je demande, est-ce que tu as appelé la personne pour dire que son produit t'a fait ceci? Elle m'envoie des voices. Comment est-ce que cette dernière les insulte? Que oh, c'est pas parce que tu m'as fait la recette de temps. Oh, c'est pas parce que machin. Oh, c'est pas parce que. Ce n'est pas comme ça qu'on parle à une cliente. On ne parle pas comme ça à une cliente. Elle dépense son argent et c'est sa peau qui se gâte. Eh oui. Vous voyez, quand on va ici au supermarché, tu achètes un produit qui n'est pas bon, qui t'a peut-être envoyé aux toilettes. Tu peux te plaindre. Ben oui. Tu te plains. Mais comme nous les Africaines, on a les longs yeux.
On veut seulement l'argent. Ce n'est pas comme ça. Il faut gagner l'argent normalement. Ce n'est pas le gros cœur. Donc, ça ne sert à rien de venir chercher à saboter le business de d'autres personnes. Si vous avez choisi être toujours dans les clashs ou être toujours là que vous allez... Parce que moi, je suis le patron de ma TKC, je suis le patron de ma team. Si je dis à ma team que stop, ne faites pas ça, ils ne vont pas faire. C'est pas parce qu'ils ont peur. C'est le respect. C'est parce qu'à un moment, ils disent que non. Il faut aussi que... Quand on fait comme ça, c'est le Cameroun qui gagne, non? Mais non. Vous avez sorti pour vous. J'ai encouragé, j'ai applaudi. Mais non, vous venez maintenant saboter pour moi. Sachez que je n'accuse pas la patronne. Hein. Je ne peux pas accuser la patronne parce que on dit quand tu as des fanatiques, parce que ça, je vais les appeler les fanatiques. Il ne faut pas être fan au niveau où tu perds la raison. Parce que quand vous venez saboter mon business, je peux dire aussi à mes gens que allez me saboter aussi, feu à volonté aussi. Le business, le commerce, c'est la chance. Moi, j'ai toujours fait le commerce et j'ai le sang du commerce. Donc, vous pouvez faire les machins, les Africains là, les gris-gris là. Ça va briller là un moment, là après, ça va s'arrêter. Et moi, je tiens à vous dire que moi, j'ai le sang du commerce. Le commerce, j'ai le sang du commerce. Excusez-moi. Allô? Oui, bonjour, c'est maman. Oui. Oui, là je suis encore en direct, chérie. Oui, c'est même parce que j'étais vu en direct que j'ai pensé que je cherchais le numéro. Ok. Pourtant, le numéro est sur la page. Hein. Bon, je vais donc t'appeler après. D'accord, tu m'appelles après, tu passes la commande. Tout à l'heure. Il faut être attentionné pour le client. Moi, je peux étudier. Oui, tu es en ligne, ma chérie, on t'écoute. En fait, je voulais dire à Composer que, bon, voilà quoi, qu'elle a montré une preuve de grandeur et que elle n'a que pas dans un jeu de clash. Mm-hmm. Et tu vois, les produits pour le corps, ça s'utilise, ça se réutilise. Mm-hmm. C'est la bonne qualité. Ceux qui ont voulu faire dans ce qui est dans Lily Express. Mm-hmm. Dans Lily Express. Mm-hmm. C'est du propre à l'œil, c'est du propre à l'œil. Mm-hmm. Et comme elle a tantôt dit, les gris-gris, on va faire que les gris-gris, ça va comment ça. Allô? Oui, ma chérie, tu peux baisser. Oui. Je parle, tu as les preuves. Mais ça sert à quoi? Ça sert à rien. Ça serait comme si je suis venu là pour me saboter le commerce à autrui. Non, ce n'est pas mon but. Je ne suis pas là pour ça. Allô? Bonjour. D'accord, je mets le haut-parleur. Tu as l'antenne là, ma chérie. D'accord. Bonjour à tout le monde. Bonjour, ma chérie. Pour donner mon point de vue, quoi. D'accord. Bon, en fait, vous êtes toutes des Africaines, des Camerounaises, vous êtes toutes des sœurs. Bien sûr. Franchement, je pense que depuis un moment, il y avait un peu de pacifisme. Ouais. Que ça soit Flore, que ça soit toi, franchement parlant, moi je pense que cette guerre-là même, je suis désolée de dire, mais je pense que c'est Lolo. Mm-hmm. Parce qu'il y avait un peu de paix. Franchement, tu étais de ton côté, tu faisais ce que tu as fait, la peur était calme, Flore était de son côté, pareil, tout allait bien. Mm-hmm. Moi je ne peux pas dire que ce que ta TKC fait concernant le produit de Flore, parce que quoi qu'on dise, même quand tu avais dit pas de sabotage, il y avait toujours les gens. La preuve, quand Lolo parlait des produits de Flore indirectement, la TKC était là, mais personne ne pouvait t'accuser. Parce que toi, tu avais dit de vive voix que tu n'es pas pour le sabotage. Mais il y a toujours des gens qui sont toujours derrière. Dès qu'il s'agit de Flore pour quelque chose, ils sont toujours là pour parler. Pareil pour Flore de son côté, malgré qu'elle ne l'a pas dit directement, mais elle n'a jamais été pour qu'on sabote des produits. Mais il y a toujours de ces profils qui le feront. Donc, à un moment donné, on ne peut pas t'en vouloir à toi et on ne peut non plus en vouloir à Flore. Franchement parlant, vous êtes vraiment dans une très, très bonne lancée.
Ne regardez pas ce que le loup fait ou ce que celle de l'autre fait. Je suis debout de le dire. Parce que quelqu'un peut fauter. Ce n'est pas parce que tu as fauté que forcément, pour peu que tu essaies de te racheter d'une autre manière, on viendra toujours te juger. Par exemple, toi, les gens t'ont traité de ci ou de ça. Mais aujourd'hui, regarde, tout le monde est fier. Comme on dit, on copie ce qui est bien. Alors peut-être c'est basé sur tout ce qui s'est passé pour pouvoir faire ce qu'elle a fait aujourd'hui. Toi également, tu t'es dit, il faut que je profite de ma popularité. Et tu l'as fait, te voilà qui est en train de sortir par la grande porte. La tonne est quand même calme. Est-ce que Fleur depuis s'est placée pour insulter X ou Y? Non. Est-ce que toi-même tu t'es placée pour insulter X ou Y? Non. Mais continue comme ça et c'est l'Afrique qui gagne. C'est qui monsieur? Même si Fleur fait peut-être les produits de cosmétiques ou quoi que ce soit, les gens viendront toujours acheter chez toi. Parce que certains peuvent acheter les produits de Fleur, ça ne marche pas chez eux. Ils achètent chez toi, ça marche. Vice versa, l'entraide, c'est ça. Toi, tu es quand même consciente qu'au fond, Fleur ne t'a jamais détesté. Souvent, elle parle, elle dit vraiment, elle t'appelle, pas si nous manque. Mais c'est parce que c'est que, entre vous deux, vous êtes comme vous êtes là, mais ça passe. Entre vous deux, ça passe. Et c'est qu'au fond, tu n'es pas quelqu'un de mauvais. Pareil pour toi. Tu reproches des choses à Fleur, mais tu sais qu'au fond, elle n'est non plus quelqu'un de mauvais. Elle n'est pas émise à un point. Mais il y a aussi les faux profils même qui ne sont pas faciles. Parce que toi, tu vas me parler si c'est une chose à taper café. Les autres vont me parler. Mais il y a toujours des faux profils qui seront toujours derrière, en train de dire des choses. C'est inévitable. C'est vraiment inévitable. Donc franchement, moi, je me suis depuis, mais je suis très contente de vous voir. Franchement parlant, je suis très contente. Même demain, après ton lait de toilette, tu peux sortir encore autre chose. Parce que tu t'es dit, les gens peuvent aimer ci ou ça. Tu regardes encore autre chose qui te plaît. En dehors de ton lait de toilette, tu sors encore autre chose. Donc, s'il y a même une concurrence même au niveau des produits entre vous, ce sera même une très bonne chose. Parce que ça va faire, vous allez bosser. Et c'est merci qui gagne. On m'a dit, mais pourquoi on va acheter le lait de toilette aux Ivoiriens? Pourquoi on va acheter ceci aux Congolais? Parce que c'est le Camerounais qui le font. Ressent-les, on vous a connu sur la toile. Il faut que de cette toile-là, vous profitez. Donc vraiment, ça ne sert à rien. Les gens cherchent à vous couler les têtes. Franchement, non. Tout le monde voit ce que vous êtes quitté de nulle part, voir que ce que vous êtes aujourd'hui. À un moment donné, ne regardez pas trop ce que les faux profils font. Franchement, parlant, ne regardez pas. On va bon dire, excuse-moi de déraper un peu, mais on va bon dire dans le direct, parce que ce que nous sommes en train de faire, en voulant encore saboter les produits de Fleur, par exemple, qu'elle, on a insulté sa petite fille. Si on n'était pas dans le direct, combien de fois? Attends, excuse-moi un peu, ma chérie, 2 secondes. Attends, excuse-moi un peu, 2 secondes. Bon, je pense que tu nous suis. La façon dont tu parles, ça veut dire que tu nous suis toutes les deux, Flore et moi. Hein? Tu as. Quand j'ai annoncé que j'ai félicité ce qu'elle avait fait, j'ai demandé à ma team, à ma TKC, de ne pas saboter. Si tu es consciente, si tu nous suis vraiment, est-ce que mes gens ont saboté, ont essayé même seulement de saboter ces produits avant qu'ils ne voient qu'on ne sabote les miens? Compresseur, oui. Si tu regardes bien. Parce que les gens n'ont jamais saboté, c'est après qu'ils ont vu quand on commence à saboter mes produits. Va voir les gens de la TKC, ils sabotent. C'est pour ça que je dis, les faux profils là, certaines personnes sont très têtues. Parce que si on te montre les directs, tu verras effectivement qu'il y a certaines personnes qui parlent, qui sabotent. Pareil pour Flore. Il y a certaines personnes aussi, malgré qu'elle n'est pas pour le sabotage, certaines personnes également toujours, dans certains directs, vont toujours partir saboter tes produits. Et ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Donc, des deux camps, il y a toujours des gens qui partent toujours, dès qu'on fait des directs, qui font des pareils des deux camps. Donc, franchement, il ne faut pas regarder ça. Il ne faut pas regarder ça. Fais tes produits, si on fait tes produits, les gens vont acheter. Concentre-toi sur ça. Que ça soit Fleur ou toi, qu'on n'essaye pas de vous fournir les têtes, qu'on n'essaye pas de vous détourner. Regarde comment tu es bien, tu as pris du poids, je suis très contente. Si tu commences encore à dire que les faux, tu vas encore retourner, non, ça va te faire. Tu es déjà en train de. Non, en fait, je suis venue donner mon point de vue. Qu'on m'insulte, qu'on ne m'insulte pas. C'est les insultes là qui m'ont rendu grosse comme ça. Si on peut m'insulter pour que je maigrisse encore, moi, je n'aime pas le poids. Je ne suis pas à l'aise là dans ce poids-là.
Donc, quand même, si on peut m'insulter, pourquoi ça me fasse encore maigrir? Comme j'ai vu Mini Anus et tout nous m'insulter l'autre jour. S'il peut encore m'insulter pour que je perde encore plus le poids, vraiment, ça me fait du bien. Encore. Il m'a encore insulté, j'ai vu ça. Il m'a encore insulté en disant que... Reste comme tu es là, c'est Dieu qui te donne toute cette force-là. Il ne va pas t'abandonner, il sera toujours là. Merci de l'intervention, ma chérie. Oh, d'accord, ok. Mmh. Très bon dimanche. Hein. Mmh, merci. Je pense que quand j'ai demandé ici, parce que là, c'est comme si moi, je ne contrôlais pas. Moi, je contrôle mes gens. Si j'ai dit à mes gens qu'arrêtez, parce que je me rappelle ici, quand il y a une qui a commencé à m'insulter. C'est l'hôpital, ça. Comment c'est l'hôpital? Allô? Allô? Oui, c'est Maman Perpé. Vous voulez intervenir dans le direct? Ok. Tu es en ligne, ma chérie. Oui, allô, Maman Perpé. Oui, ma chérie, bonjour. Il ne faut pas écouter les gens à deux balles qui viennent intervenir. Comme la dame qui vient d'intervenir, là. C'est une pédagogiste. Mm-hmm. C'est une pédagogiste parce que moi, je vous écoute depuis des années. Mm-hmm. J'ai d'abord commencé à aimer Flore. J'ai aimé Flore. Et après, moi, je t'ai détesté. Hein. J'ai aimé Flore. Mais quand j'ai vu toutes les réalités de la toile, j'ai arrêté d'aimer Flore. Et pour vos produits, je vous jure que j'ai vu tout ce qui se passe. La TKC n'a jamais saboté les produits comment? De Flore. Justement, ça me surprend. Je dis, la TKC n'a jamais saboté les produits de Flore. Et quand tu as apprécié les produits de Flore, les gens ont dit compression n'est pas en train de faire ça par son cœur, compression a fait ça parce que les gens sont dans ton cœur. Alors que c'était sincère, hein? C'était sincère. Pour moi, c'était comme un défi. J'ai dit que j'ai accompli ma mission. J'ai enlevé les godes pour lui faire au moins créer une société. Moi, j'étais contente que j'ai réussi ma mission. Au moins, elle va sortir des mauvaises choses. Moi, j'ai pas de faux profil. Je vous suis, je regarde tout. Je vous dis que personne de la TKC n'a saboté les produits de Flore. C'est quand les gens ont... Quand tu as sorti ton lait, les gens ont commencé à saboter ton lait de toilette. Moi, j'ai vu quand les gens ont saboté ton lait. Et c'est là que les gens de la TKC se sont révoltés. Et toute cette haine-là, moi, j'ai un problème avec Lolo. Lolo est haineuse. Vous dites que le gars peut insulter. Lolo, tu es haineuse. Moi, je te déteste. Non, pardon. Mais... Lolo ne t'aime pas. Non, si tu veux, tu me raccroches comme présent. Moi, je te dis que Lolo ne t'aime pas. Lolo n'a pas apprécié tes produits. Pourquoi? Hier, moi, j'ai vu les directs qu'elle fait. Lolo est haineuse. C'est elle qui attise la haine. Et ce sont ces faux profils qui sont des infiltrés qui viennent se passer pour la TKC pour saboter les produits de Flore. Non, on connaît tout ça. Flo même t'aime, mais Flo aussi un problème, c'est qu'elle est jalouse. C'est tout. Maman Pépé, c'est tout ce que moi j'aurais été dire. Hein. Merci, pour le reste là, moi je t'aime trop, tu es d'abord trop belle. Merci. Au 6 jours, tu m'aimes encore, c'est grave. Moi je vais commander ton lait, tu es trop belle. Merci. Ma beauté là t'appelle Tantine. Yes. Oh. Au revoir, un coucou à... Et à ta fille. D'accord, merci. Au revoir. Au revoir, bon dimanche. À vous de même, compresseur. Voilà, moi j'entends seulement. Moi je ne suis pas la qualité qui fait le waka sur Facebook. Je ne fais pas moi le waka ici là. Je ne suis pas la qualité que je suis partout, Instagram, partout. Il paraît comme insulte partout. Moi ça ne dit rien. Le fait de m'insulter là, moi, si je vous ai déjà dit que ça me fait trop grossir, ça m'énerve déjà parce que je n'aime pas le poids. J'ai toujours été un gringa. J'adore être un gringa. Je n'aime pas le poids. Allô? Allô? Oui? Oui, c'est le direct de Maman Père. Tu veux intervenir dans le direct? D'accord. Tu es en ligne? Tu es en direct, ma chérie. Oh yes, oh. Oh yes, oh. Il y a WhatsApp sur le téléphone là, donc vous pouvez appeler. Il faut pour te dire de
ne pas écouter, oui, de ne pas écouter les commentaires là. Nous, on a vu. On a vu quand tes produits sont sortis. Flore appelait ça le gratte-gratte. Voilà. Elle appelait tes produits le gratte-gratte, on a vu. Mm-hmm. Et pourtant, dans ta team, personne n'avait jamais saboté le commerce. Jamais, j'avais interdit ça. J'avais dit que jamais. Pas de sabotage. Elle, mais moi, j'ai suivi dans sa propre bouche. Elle appelait les produits. Je ne fais pas les trucs du quartier, c'est les gratte-gratte. Voilà. Les trucs du quartier, alors qu'ils sont finalement sortis que la chinoiserie. Voilà. Le second nom de Dieu, c'est le temps. Venez toujours m'insulter, pour vous, tu es sorti. Je vous ai dit, mon frère Simon de Londres a dit qu'avant de t'accroupir, regardez les fesses de ta voisine, regarde avec tes propres fesses. Non, on est là, on attend juste aujourd'hui le lancement. On va attendre. Non, le lancement, j'ai dit qu'il faut être classe. Vous n'avez pas remarqué que depuis un certain temps, j'ai fait mes directs, je suis bien posé. Parce qu'il faut être classe. T'as dit tout le monde sera en smoking. Tu as la carrosse d'une PDG. Je vous ai dit que le tout, si, il faut que, chérie, il faut que tu m'achètes le make-up. Moi aussi, je veux commencer à mettre le make-up quand il fait mes directs. Non, ne vous inquiétez pas, le lancement là va être, hein, mamie paix. Hey. Le lancement là, tout le monde en smoking. On leur montre comment est-ce qu'on met les pantalons, comment est-ce qu'on est debout avec le pantalon. Pas ma bongo là, non, droit comme ça là. Hey. Au goût de ça. Hey. Moi, c'est mon point de vue. Je ne coche personne. On t'écoute, ma chérie. Dis-nous, Longo. Ok, ma père. En fait, c'était juste pour t'encourager et pour te dire, n'écoute pas les gens, les ondits. Ok. Oh. N'écoute pas les ondits. Suis juste ton chemin. Merci. Vraiment, Dieu écrase. Merci. Dieu écrase. Merci. Reste comme tu es, ne change pas. Nous, on te love comme ça. Notre maman terre prestigieuse. Merci. Bisous. Bon dimanche. Mm-hmm. J'ai dit que le lancement, ne vous inquiétez pas. Le lancement là, ça va être hein, mamie paix. Oh. C'est le genre que maman. Vous avez vu comment il met le pantalon l'autre jour, non? Vous avez vu le pantalon, non? Hein? J'ai dit que vous commencez à vous donner cours de bordeaux ici, là. J'ai dit à mes gens ici, ne sabotez pas. J'ai encouragé parce que mon but... Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. C'est pour intervenir dans le direct? Oui. D'accord. Oui, vous êtes en direct. Oui. J'appelle pour vous féliciter. Merci. Un bravo et un courage à tout ce que vous faites. Merci. Déjà, je vous suis un peu depuis longtemps, mais un peu dans du sous-marinage. Mm-hmm. Donc, au début, je me disais, mais qu'est-ce que nos soeurs camerounais, elles font? Elle donne la honte du pays, du Cameroun. Franchement, on parlait toujours de nous dans les réseaux sociaux. Alexandre, tu peux fermer ta gueule. Je suis au téléphone, s'il te plaît. Donc, vos actions, ce que vous faites, mm-hmm. franchement, je vous donne un bravo. Merci. Je vous donne franchement un bravo. Et allez de l'avant. Et ne regardez pas les gens qui font... du mouchardage à côté. Mm-hmm. Essayez de vous concentrer sur votre vie. Bien sûr. Et allez-y de l'avant. Mm-hmm. Déjà, vous êtes tellement belle, vous êtes très belle. Merci. Vous avez déjà tout ce que beaucoup de femmes cherchent. Vous avez un mari, vous avez une très jolie fille, merci. Vous avez déjà votre business. Alors, qu'est-ce que vous allez encore demander à Dieu? Alors, tout ce que les gens d'à côté parlent, donc essayez un peu de prendre ça comme un coup de vent et foncez. Ne regardez pas derrière parce que en regardant derrière, vous pouvez vous heurter. Ouais. Alors, moi, mon appel, c'est pas un but, c'est pas l'appel de c'est, donc, c'est quoi je vais dire, vous féliciter, quoi. Merci. Parce que vous êtes dans du positif. Merci. Vous êtes, que ce soit de l'autre côté, que ce soit vous, franchement,
aujourd'hui, je suis fière quand même de vous. Parce qu'il faut souvent faire des clashs pour devenir quelqu'un. Parce qu'il faut attirer l'attention des gens. Moi, je parle, je suis une femme du business. Mm-hmm. Il y a parfois des moments où il faut se faire ce que vous avez fait au début pour essayer d'attirer l'attention des gens sur vous et de présenter maintenant ce que vous avez à présenter comme ce que vous faites. Moi, personnellement, je vais vous joindre parce que vos produits, je suis amoureuse de vos produits. Merci. Donc, je vais passer ma commande déjà pour vous féliciter, pour vous encourager. Et pour vous encourager, il faut qu'on achète vos produits parce que déjà, étant vous-même la mannequin de vos produits, vous attirez. Merci. Alors, je vous donne un bravo et arrêtez les clashs. Parce que vous êtes déjà à un pas d'avant. Vous êtes en train d'évoluer et ne regardez pas le derrière. Laissez le passé derrière vous. Regardez le présent et le futur. Merci, ma chérie. Encore courage à vous. Merci. Bisous et bon dimanche. Bon dimanche. Merci. J'ai dit, c'est l'Afrique qui gagne. Je suis venue, j'étais venue dans Facebook. J'étais en mission. J'ai cru que j'avais réussi ma mission. Mais en fin de compte, je n'ai pas réussi la mission. Ouais. Au contraire. Allô? Allô? Allô, maman, oui, tu veux intervenir dans le direct, ma chérie? Bonjour. Oui, je veux parler là. D'accord. J'ai mis le haut-parleur déjà. Ouais. Ouais. Vas-y, parle, ma chérie. J'ai coupé d'abord. Non, c'est pas la connexion. Il y a quelqu'un qui appelait. Allô? Oui, je suis un membre de la TKC. Voilà. Oh. Tout ce qui se passe, oh là là, la connexion dérange. Non, c'est pas la connexion, c'est parce qu'on appelle. C'est parce qu'on appelle. Est-ce que vous pouvez attendre quelques minutes pour qu'elle parle d'abord, s'il vous plaît? Vas-y, ma chérie, on t'écoute. Allô? 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 Vous pouvez attendre un peu, s'il vous plaît? Allô? 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 Oui. Bonjour. Oui, c'est pour intervenir en direct. Oui, tu es en direct, ma chérie. Encore moi. Oui. On arrête un peu de crêpes, Lolo, non. Moi, je suis Lolo, non. Lolo m'a dit que moi et aussi moi, il y avait les abeilles, parce que sans vous, ils vous rentrez au château rouge. Lolo m'a dit que pour le maître, prend le lent. Lolo te soutient. C'est pas l'autre qui envoie Marie-Louise Bagaré insulter. Moi, je connais Lolo. Qui est en train de parler de Lolo? Est-ce qu'on a parlé de Lolo ici? Non, quand il y a arrêté de créer sur Lolo, Lolo est hypocrite. Lolo est hypocrite. Mais Lolo te soutient. Elle m'a dit avant qu'il y a tant que faut qu'il soit fait produit. Et qu'elle, ça faut qu'elle se compresseur. C'est où elle aura les cornes sur la tête. Elle aura les cornes sur la tête. Dans le tête de Lolo, quand il y a un petit café pour inciter Lolo, il faudra me dire que c'est compliqué tant qu'on inciter Lolo, que le concombre a fait un café me dit pour nager le poste, parce qu'on nage Lolo. Non, si quelqu'un paye Lolo, qui va écrire Lolo inbox? Qui va écrire Lolo inbox? Quand on ne parle pas de Lolo Max en direct, non. Moi, je suis décapé. Je suis décapé. Hier, aujourd'hui et demain. Je suis décapé. Qui est hier, aujourd'hui et demain, c'est à vie. C'est à vie. Donc, si quelqu'un m'a le lot, qui peut écrire le lot une box? Donc, maintenant que vous avez fait comme qu'on soit arrêté, qu'on a chuté le lot dans son direct, non? Il est en train de faire la déclaration, il est en train de faire la déclaration, il est en train de Allô? Oui. Vu ce que vous voulez, c'est que vous voulez que vous voulez en faire ça. Si quelqu'un m'a le lot, qui va venir porter le lot? Quand on a le lot,
On n'a pas incité Lolo ici. Oui, c'est ça. Le comportement est fait direct depuis. Au moins, je suis comme ça, mais tu veux direct. On n'a pas incité Lolo ici là. Qui parle de Nimba pour parler d'incité Lolo? J'ai dit qu'elle est ma chérie. J'ai dit, hein? J'ai dit, hein? Allô? Oui. J'ai dit qu'elle est. Comment il s'appelle encore là? Général quoi Lolo là? Général. C'est votre souris. Non. Celui qui a dit là que honte à toi. Honte à toi, mon esprit. C'est pas Lolo la fille, Lolo la fille, non? Hein? C'est votre souris, pas là, non? Honte à toi. Celle qui dit honte à toi, ce n'est pas elle. C'est elle. Non, ce n'est pas elle. Ce n'est pas le seul profil. Ce n'est pas le seul profil de Lolo qui m'insulte. Ce n'est pas la première fois. Voilà. Il y a une TKC qui est en train d'appeler là. Tu peux rappeler après, s'il te plaît. C'est vous là qui polémiquez, dis donc. C'est toi qui viens polémiquer là. Tu viens maintenant dire qu'on est en train d'insulter Lolo ici. On insulte Lolo ici. On a insulté Lolo ici là. Qui a insulté Lolo ici? C'est des gens comme ça qui aiment souvent leur frère qui a des problèmes à leur vrai. Après, elle va écouter, ça va venir encore m'insulter. Comme, moi, on est en train de m'insulter. Allô? 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 Oui, bonjour. Bonjour, c'est Maman Berthe. Oui. Oui, est-ce que je peux assister au direct, Maman? Si, tu es en direct là. Oh là là. Les gens, si tu veux parler, laissez que les gens de WhatsApp aussi parlent. Ok. Laissez un peu WhatsApp parler, non, vous aussi. Allô, ma chérie, vas-y, parle. Vous pouvez attendre quelques minutes, le temps que c'est un appel WhatsApp, s'il vous plaît. Merci. Les WhatsApp, alors, ne vont pas parler aujourd'hui. Allô? La personne appelle pourtant de loin. Allô? Oui, allô? Oui. Je suis sur le direct de Compressor. Oui. Oui, bonjour, PRP. Bonjour. Donc, je vais te donner un conseil, ma chérie. Bien moi, sûr. Moi, je vous suis de loin. Mm-hmm. Toutes les trois, je vous suis. Je vois tout ce qui... Mais, tu sais, dans le cœur, on a toujours une préférence. Mm-hmm. Ah, et je t'appelle aujourd'hui pour te dire bravo, ma chérie. Merci. Ce que tu as fait est fabuleux. Donc, ne t'occupe pas de tout ce qui se passe. Ne te fâche pas. Dans la vie, il y a toujours des gens pour détruire. Mm-hmm. C'est comme ça. Tu as des gens qui t'aiment en cachette. Ce n'est pas tout le monde qui veut s'exposer, ma chérie. Bien sûr. Donc, on est là, on te soutient à fond la tête, ma chérie. Nous sommes derrière toi. Mes filles sont derrière toi. Mes amis sont derrière toi. Tu as fait un truc de fabuleux. Merci. N'entre plus dans les clashs, les intrigues, ceci, cela. Non, il faut dépasser ça parce que tu es une grande femme. Bien sûr. Une grande femme est appelée à entendre des ragots, des injures et tout ça. Nous, on t'aime, maman Berthe. Reste merci. Comme tu es, continue et que ton chéri qui est à côté de toi te soutienne tout le temps. Bravo, ma chérie, continue comme ça. Merci. Bisous, bon dimanche. Merci à vous aussi. Comme c'est un petit peu de polémique là, tu lui dis qu'il n'y a pas de polémique ici. Parce qu'elle vient parler comme ça, elle va se dire que. Elle va se dire que moi je permets qu'on l'insulte. Allô? Allô? Bon, je vais appeler celle de WhatsApp là. Oh. Elle appelle comme ça après, on va encore la couper aussi. Allô? 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 Oui? Appelle normal, ma chérie. Si tu appelles WhatsApp, ils vont toujours couper. Allô? 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 Oui. Bonjour. Maman Berthe. Bonjour. Oh, allô? Oui. C'est Maman Berthe. Oui, c'est Maman Berthe. Maman Berthe, je suis en direct là. Si. Je voulais juste faire la publicité des produits parce que j'ai fait ma commande, je l'ai reçue. Mm-hmm. Je voulais juste vous dire
certains gens sans qui ne donnent pas les tâches aux doigts. Hein? Le goût de ça. Le goût de ça, c'est le seul Jiang Sang qui ne donne pas les tâches aux doigts. Depuis que je mets le Jiang Sang là, mon mari m'a dit qu'il va me pousser en mai. Hein? Ah oui, maman. C'est le goût dit. De ça, oh. Hein? Je vous avais dit que c'est tout le Jiang Sang béni. Je suis noire, mais mon Jiang Sang donne jusqu'à. Ça, c'est pas la pub de derrière là. Ça, c'est le Jiang Sang sur. J'ai déjà commandé mon Jiang Sang, ça donne. Mm-hmm. Et voilà maintenant, alors le mari dit qu'il va épouser. Maman Pépé, c'est dit que le Jiang Sang, c'est l'amour. Mais si j'attends pas. Que la boîte la finisse pour recommander encore. Mais le tout, il faut que tu me mettes encore plus. Parce qu'il doit seulement briller. Mais l'autre TK, c'est là, l'autre la Foucouéla, elle a raté le projet. Parce que je crois qu'elle devait faire le Jiang Sang. Où elle est partie là, vraiment, là, elle a raté le côté là. Donc, au bonsoir, que Dieu contrôle toujours ton bise. Amen. Gros bisous à toi et merci, bon dimanche. Toi, merci. Gros bisous. Bisous, bon dimanche. Merci. Au goût d'une jansang, quand on avait commencé notre jansang, si vous vous rappelez, c'était avec les bouteilles de tangi, on mettait ça dans les bouteilles de tangi. On avait surnommé ça jansang béni. Vous vous rappelez, non? Mm-hmm. Allô, donc, je n'ai imité personne, j'ai commencé depuis. Oui, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va, merci. Et toi? C'est possible de parler à ton direct, dans ton direct, s'il te plaît? Bien sûr, t'es en direct déjà là. D'accord. Alors, je vais te dire félicitations pour tes produits. Merci. Tu viens vraiment de lui, vraiment chapeau. Merci. Alors, moi, je suis vraiment, quand je te dis vraiment neutre compresseur, je suis neutre dans cette histoire. Mm-hmm. D'accord? Oui. Le sabotage qui t'a. Tu as été l'une des premières qui a quand même pris le courage, quels que soient les problèmes que tu as eu avec elle, à lui dire félicitations concernant ses produits à elle. Franchement, tu as eu. Un geste que même moi, je me suis mis à la place, je ne l'aurais pas fait. Mmh. Et une autre chose, je trouve que voilà, ça se passe maintenant, c'est injuste. Ah bah, elle va récolter ce qu'elle doit récolter. Mmh. Point bas. Là-dessus. Alors, l'erreur que toi, tu as fait pour moi, c'est une erreur. C'est que là, le faux profil qui a appelé tout à l'heure pour parler et qui a fini sur Lolo, tu as essayé de l'arrêter, elle n'a pas voulu. Elle a dit... Si tu veux, rapproche-moi. Pour moi, j'ai dit ça, c'est mon avis, tu aurais dû la rapprocher. Certes, ça fait presque des mois que toi aussi, tu te fais insulter par les faux profils de Lolo, mais elles t'ont jamais insulté au téléphone dans son direct. Tu vois ce que je veux dire? C'est que ça, c'était... Tu as essayé de la stopper. Hein. Je ne veux pas dire que parce que je suis en train de regarder le direct, tu as essayé de la stopper. Elle a dit, si tu veux, rapproche-moi. Pour moi... T'aurais dû la raccrocher en ne la laissant pas essayer de dénigrer Lolo. Parce qu'elle a dénigré, elle a dit Lolo, c'est une hypocrite, c'est une haineuse. Elle peut le dire, elle peut l'écrire sur ton truc, mais pas sur ton direct, le dire vocalement, tu vois. Hormis ça, je sais que t'es pas une personne méchante. Compresseur, tu essaies tout le temps de prendre sur toi, à ne pas critiquer les autres, à tout le temps prendre sur toi. Et je comprends que tu arrives à un moment où tu en as marre. Mais même le fait qu'on critique tes produits, regarde, tu fais ton direct, tu t'assois, tu parles calmement. Ben oui. Pour moi, chapeau, vraiment chapeau à toi. Merci. Chapeau à toi, mais cette fois-ci, comme je t'ai dit, je suis neutre, tu n'aurais pas dû laisser l'autre fille traiter le lot des news. Voilà. Sinon, je suis d'accord avec toi. Bravo, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Ce qui fait que j'ai dit que non, n'insulte pas ici. Pour moi, ce n'est pas vraiment une insulte en tant que telle. Si ma soeur, ma grande soeur Lolo, pouvait aussi faire pareil, de ne pas intervenir dans les directs de ces faux profils non, où on est en train de m'insulter. Bien, par contre, c'est non, ça. C'est elle devait dire que non. Arrêtez d'insulter. C'est ma petite sœur, arrêtez de l'insulter. Moi, à ta place, je l'aurais raccroché. Je raccroche, moi je ne raccroche pas souvent comme ça là. Tu vois, elle a dit deux mots, elle n'a pas continué. Puisque
Moi, je n'ai pas l'habitude. Même quand quelqu'un m'appelle, vous avez remarqué, même quand un auditeur appelle pour m'insulter, je te laisse t'exprimer. Il y a les auditeurs qui appellent souvent ici pour m'insulter moi-même. Oui, c'est vrai. Je te laisse, tu m'insultes. Après, je te demande si tu as fini. Je vois que c'est un peu plus long. Oui. Qu'il y a d'autres auditeurs qui veulent appeler, je raccroche. Je ne raccroche pas les auditeurs comme ça, la patte, non. Mais je voulais savoir un truc. Oui, c'est vrai, c'est je voulais savoir un truc. Chaque fois oui. qu'un de ces faux profils, dernièrement, il y a Lolo La Paix qui a fait un direct où il m'insultait. Oui. Elle a intervenu dans le direct. Elle pouvait intervenir. Lui dit, je t'interdis, n'insulte plus compresseur. On est d'accord? Oui. Ça dure déjà longtemps. Depuis que ça dure, je ne fais que prendre sur moi. Mais il y a un moment, il faut que je leur fasse comprendre que je suis au courant de tout ce qui se passe. Si je ne réponds pas, c'est parce que j'ai dit que moi. Ah, par contre, ça, je t'arrête tout de suite. Elle n'avait pas à intervenir dans un direct où on t'insulte. Point barre. C'est ce que moi je viens de te reprocher. Si elle a fait pareil, elle ne devrait pas le faire. Justement. Et qu'en même temps, vous laissez les faux profils se tuer entre vous. Je ne peux pas venir intervenir dans un direct. Je ne peux pas venir intervenir dans un direct où ma fille Choupi Kamga, par exemple, est en train d'insulter Lolo. Je viens intervenir dedans. Non. Je ne peux pas. Chaque fois que ma TKC a intervenu ou insulté ces personnes-là, c'est que ces personnes-là, ils ont vu que ces personnes m'ont d'abord lynché. Et là, ils ont... Et surtout, à chaque fois qu'il y a eu quand même les directs de tes faux profils, je t'ai jamais vu venir parler. Jamais. Quand il y a eu cette fille-là qui a parlé tout à l'heure, j'étais un peu choquée que tu l'aies laissée. Parce que déjà, quand elle a commencé, tu as essayé quand même de l'arrêter. Tu as dit non. Elle dit, si tu veux, raccroche-moi. Mais je ne savais pas que... Moi, j'ai des faux profils ici qui m'appellent, qui m'insultent. Je te laisse t'exprimer. En même temps, pourquoi j'ai mis le téléphone? C'est pour que les gens s'expriment. Que vous êtes des sœurs. En même temps, c'est pas bien. Pourquoi, voilà. Franchement. Mais tous les jours, dernièrement, j'étais avec Achille. Tout le monde se moque de vous. Dernièrement, j'étais avec Achille. Je suis en train de regarder. On était en train de regarder les actualités et tout. On voit une fille qui est. C'est capitaine ou c'est général ou c'est quoi. Elle a la photo de Lolo. Et elle m'insulte. Mais elle m'a insulté. Je me suis mise à rire. Moi, ça m'a fait rigoler qu'il me demande, tu ris quand même. J'ai dit, mais écoute. C'est vrai que tu as fait un direct, tu ris. J'ai demandé que, ouais, j'ai encore fait quoi, J'ai encore fait quoi? Je suis au courant. Même sur Instagram, là-bas, on m'insulte. On m'insulte sur Instagram. Séparé avec Lolo. Oui, mais pas quand même. Mais je ne gère pas. Non, c'est vrai, je te comprends. Voilà. Mais comme. Mais ce n'est pas pour autant que moi je vais accepter qu'on vienne m'insulter sur mon direct. J'ai dit que moi. Tu as toujours montré à tous les gens de la toile que tu étais une grande personne. Continue de faire ça. Ne change pas. Je n'ai pas deux adversaires sur la toile. Je t'ai juste fait une parenthèse parce que te connaissant, franchement, moi je suis tout ce que tu fais. Tout ce que tu fais. Ce que moi j'aime chez toi, c'est que quand tu viens parler, même quand tu n'es pas vulgaire, quand tu viens, tu commences à dire « je suis énervée ». Quand moi j'entends les insultes que tu fais, je suis là dans mon salon, je rigole. Parce que tu ne sais pas le faire. Certes, tu es énervé. Mais moi, je me lave tous les jours. Tu es vulgaire. On t'a toi compris. Tu n'es pas comme ça. Non. Donc, c'est tout ce que je peux te dire, reste toi-même. Ne te rabaisse pas. Tu es là pour dire ce qui s'est passé. Elle a saboté, Flore a saboté ton produit. Bah, elle va y couper. Hein. Bah, la preuve, ils sont en train de la traîner, non? Radiane Mélanie l'a traînée. Et maintenant, c'est Lolo. Toi, reste, tu regardes, sors dedans. Maintenant, tu as tes produits à vendre. Franchement, sors dedans. Si les faux profils veulent le faire, sors dedans. Tu n'es moi, je ne suis même plus dedans. Tu es une bonne personne. Je suis fatiguée et même déjà. Si tu veux le faire, ça te réussit pas, compresseur, parce que tu n'es pas quelqu'un de méchant. Je ne connais pas insulter. Ce qui fait que vous avez remarqué que la plupart du temps, j'ai toujours bagarré. Parce que moi, je ne connais pas mes chamailles. Hormis ça, tu n'es même pas méchant, compresseur. Avec tout ce que Flore t'a fait, si tu étais quelqu'un de haineux, tu n'allais jamais la féliciter. J'avais une mission. Je suis venue ici sur la toile. J'avais une mission. Voilà. Enlever cette femme avec des gourdes. Et j'ai vu que finalement, elle a réussi. Elle est quittée dans ça. C'est pour ça que j'ai félicité. Mais je ne savais pas que la bêtise ne va jamais changer. Je savais pas. Voilà. Mais non, mais même si... moi non plus, je savais pas, ça allait pas durer. Hein. Ah. Moi, elle allait rester. J'ai failli mettre un pari avec quelqu'un. J'ai failli mettre un pari avec quelqu'un.
J'ai dit non, cette fois-ci, je pense que c'est la meilleure. Elle ne va plus vous sortir les gaudes, mais ça n'a pas duré. Elle ne peut pas changer. Hein. Non, elle est comme ça. Elle je t'ai dit, hein, compresseur, quand je vois tous vos directs, hein, je ne peux pas rentrer dans ces directs à elle. C'est que Dieu me pardonne. Sa voix, je ne supporte pas. C'est pas méchant. Mm-hmm. Mais quand tu arrives à faire du mal à d'autres personnes, nudité, plein de choses, moi, il va y avoir un moment où les gens vont zapper. Donc, ne... On va en finir. Il y a d'autres qui veulent parler aussi. Mm-hmm. Ne rentre pas dedans, compresseur, s'il te plaît. Reste toi-même, s'il te plaît. Ok, ma chérie. Au moins, pas pour le respect que j'ai pour vous. Comme tu es, ma chérie. Tout le monde t'envie. Reste comme tu es, compresseur. Les gens croient que tu n'as pas ta personne derrière toi. Mais regarde tous les coups qu'on t'a fait en Afrique. Tu es sorti dedans sans une égratignure. Reste tel que tu es. Ne rentre pas dans ça. C'est tout ce que moi je veux. Merci, ma chérie. Reste sur ta lancée. Tu vas voir comment... Et même tes produits vont décoller, compresseur. Reste comme tu es. Zéro haine. Non, je ne suis pas une haineuse. Je ne connais pas la haine. Voilà, zéro quand haine. Quand on est la maman des orphelins, on n'a pas de haine. Voilà. Et fais de sorte que les gens ne viennent pas rigoler sur toi et Lolo. Vous avez fait la paix, restez dans la paix. Si les faux profils de Lolo veulent t'insulter, qu'ils continuent. Si les faux profils de la TKC veulent continuer à... Non, ma TKC, ce n'est pas des sauvages. Ma TKC, c'est quand ils constatent que on m'a déjà trop insulté, c'est là qu'il pète un câble. Mais sinon, Mateka, c'est pas des gens sauvages. Tu sais, moi, comme je t'ai dit, je suis neutre. Hein. Ça, c'est ce que toi, tu penses. Hein. Et Lolo aussi, elle peut penser pareil aussi de ta team. Donc, pour moi, tous les deux, vous êtes fautifs dans votre team. C'est votre team qui sont fautifs, pas vous. Donc, pour moi, moi je veux pas de votre team. Moi, c'est vous deux que moi, je veux voir ensemble. Mm-hmm. Je ne vais pas choisir. Je t'aime toi, j'aime Lolo. Donc, moi, c'est vous deux. On pourra me dire tout ce qu'on veut. Moi, c'est Lolo compresseur, je regarde. Et ça me suffit largement. Mm-hmm. Voilà. Mais toi, ne change pas, s'il te plaît. Non, je ne peux pas changer. D'accord. Allez, bisous. Prends bien soin de toi. Bisous à ton mari et à ta petite fille. Merci. Et bravo, ma chérie. Merci beaucoup. Bon dimanche. Ciao. Ciao. Mm. Je ne suis pas là pour chercher les problèmes. Je ne suis pas ton bonbon. Allô? Allô, maman Pinceau. Oui, ma chérie. Bonjour. Bonjour. C'est un membre de la TKC qui parle. Je peux intervenir dans le téléphone? Oui, tu peux intervenir, mais le téléphone est en train de me parler là. Vas-y, ma chérie. Attends 2 secondes, s'il te plaît. Il est bien vrai, on a dit, on ne parle pas. On ne veut plus que Maman Pépé parle le nom de Lolo parce que nous ne voulons plus des clashs. Nous ne voulons plus que Maman Pépé entre dans les clashs parce que Maman Pépé est déjà dans le rang des dames d'affaires. Elle ne peut plus se remplacer. Au niveau des clashs, quoi. Mm-hmm. Et ça a coupé. Mais le problème, c'est que si elle appelle maintenant tu as un 06, si elle m'appelle à le 06, ma chérie. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Je suis avec Maman Pépé. Oui. Voilà. Je vous appelle pour vous féliciter déjà. Merci. Ça fait un bout de temps que je vous suis depuis quand vous étiez au Cameroun là. Mm-hmm, merci. Et j'aime bien ce que vous faites. Mm. Je suis une orpheline déjà. Et je vous dis vraiment bravo. Merci. Bravo. Et restez comme vous êtes. Donc, n'essayez pas d'écouter ce que les gens disent. Les gens vous aiment beaucoup. Merci. Quand un enfant, vous êtes béni de Dieu, même si les gens font comment, ils ne peuvent rien faire. Mm.
Voilà. Restez, vous êtes bénis et restez comme ça. Merci. Il ne faut pas écouter ce que les gens vous racontent, que telle a fait ça, fait telle a fait ça. Ne regardez pas ça. Mm. Comme toi-même, tu dis souvent que tu es béni, et tu es béni. Quelqu'un qui s'occupe des orphelins est béni à vie. Mm. À vie. Merci. Donc, je vous ai appelé pour vous féliciter. Mais je vous appellerai pour passer ma commande de perles et de la chaussure. Ok. Ok, ma chérie. Ouais. Merci. Donc, bonjour. Bon dimanche à vous. Bon dimanche aussi. Merci. Bisous. Bye. Bisous. Bye. Allô? Allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Tu peux t'éloigner un peu de l'autre poste récepteur, s'il te plaît. D'accord. Est-ce que je peux parler à Maman Perpé, s'il vous plaît? Oui, c'est Maman Perpé. Maman Perpé, mais là, je suis en direct. Je vous vois là en direct. Si. Et vous me prenez là immédiatement aussi? Non, tu es en direct. Il faut juste t'éloigner de ton poste de récepteur. C'est pour ça que ça arrive en retard. Ah, d'accord. Là, c'est bon, Maman Pépé. Oui, là, c'est très bon. Ok, Maman Pépé. En fait, je vais parler en direct. Tu es en direct, chérie. Je suis en direct? Mm-hmm. Voilà. Maman Pépé, moi, ça fait très longtemps que je te suis. Et moi, je t'apprécie énormément. Et je te dis respect et félicitations à tout ce que tu as eu à faire comme projet. Merci. Moi, je te dis, oui, tu es une femme brave. Tu es une femme très, très courageuse. Merci. Moi, dans tes directs, moi, je ne réagis jamais parce que quand je viens en vrai, en profil réel. Mm-hmm. Et moi, j'ai peur d'être affichée parce que je sais comment ça se passe. Mm-hmm. Mais, franchement, ma soeur camerounaise, ma soeur Bakoko, ma soeur Bassa, vraiment, Nyambe Angourou Nganda. C'est tout ce que je peux te dire en Bassa. Merci. Dieu t'aide énormément, compréhension. Mais sache que tout le monde a un passé. Dieu t'a enlevé d'où tu étais. Il t'a mis sur un chemin où tu vas continuer. C'est un chemin qui est très, très, très difficile. Mm-hmm. Il y aura trop d'abus, mais il faut. Moi, je sais que tu es une grande fille et tu as trop du courage. Moi, tu me l'as prouvé pendant tant d'années. J'ai vu ton combat, j'ai vu tout ce qui s'est passé. Donc, vraiment, bravo. J'ai ma soeur ici à côté, qui n'est pas aussi camerounaise, mais elle t'aide énormément. Moi, je ne vais pas me présenter parce que là, je suis... Voilà. Bonjour. Voilà. Maman Perpé, tes produits, je vais les acheter. Merci. C'est pas le sabotage qu'on raconte. On voit ça sur toi, Maman Pépé. On voit tes doigts, tes bébés. On voit la peau de Rihanna. Ce n'est pas le sabotage. Quand quelque chose est bon, il faut apprécier. Acceptons. Il y a trop de jalousie dans le monde, dans la communauté africaine. C'est trop. Tout c'est trop. Chacun a sa destinée sur cette terre-ci. Chacun a sa destinée sur cette terre-ci. Quand Dieu nous crée là, les siens doigts ne seront pas pareils. Il faut que. On essaie de respecter sa Maman Perpé. Chacun a ce qu'on appelle son étoile, sa destinée. Ton moment de gloire a arrivé. Et comme là où tu es là, tu as envie d'avancer. C'est jusqu'au fond, jusqu'à la gare. Personne ne peut te faire reculer, ma soeur chérie. Personne. Parce que c'est une humiliation que tu as subie. Tu restais de mon côté, j'avais les larmes aux yeux, je pleurais. Le coup que tu as eu dernièrement, et à chaque fois tu es au pays pour aider nos frères, nos enfants, que tu as toujours les retombées venant d'ici, tu es pourchassé. Sabotage du sabotage. Maman Pépé, Sida. Maman Pépé, complé. Et puis quoi encore, Maman Pépé? Et puis quoi encore? Tu es une grande dame, ma soeur. Merci. Tu es une grande et tu as trop de bénédictions. Maman Pépé, s'il te plaît, ne recule pas. Je ne sais pas discuter, mais ne recule pas. Ne regarde pas ce qui se passe à gauche et à droite. On a dit que. Par rapport à ta soeur Lolo, je sais qu'en ce moment, il y a un mauvais vent entre Lolo et toi.
chacun de nous, on a les défauts, on a les qualités. Mais, s'il te plaît, essayez de faire les efforts, Lolo et toi, de pouvoir arranger les problèmes. S'il vous plaît. Parce que moi, Lolo, malgré tout ce qu'elle fait, j'ai aimé Lolo par rapport au soutien qu'elle t'a apporté. Je sais que toi, de ton côté, tu n'es pas une méchante fille. Je ne sais pas ce qu'il y a à l'heure actuelle entre Lolo et toi. Il n'y a rien du tout. Je sais ce qui avait dégénéré. Je sais le camp qu'elle avait pris, mais elle avait regretté. Mais moi, je pensais à la réconciliation. Je vais vous dire, vous devez rester soudés, maman Perpé. Mais je ne sais pas, le diable est toujours en train de rôder. Nous-mêmes, nous ne sommes pas parfaits. S'il vous plaît, baissez le cœur. Baissez le cœur, Lolo et toi. Si vous pouvez revenir, même si vous ne vous précadez pas, mais qui est la paix. Okay. Pardon. N'y aime pas de problème. Pardon, maman Pépé, essaie de voir le problème. L'histoire de que les faux profils ont fait que. Parce que je sais que toi, déjà, tu n'es pas trop dans le genre aller regarder si à droite ou à gauche. Non, moi, je ne connais pas. Ce qui fait que parfois, il vient parler les choses ici après. Il n'était pas au courant parce que n'est pas par moi de regarder les directs des gens. Ce qui fait qu'il vient souvent parler les choses ici après, on me gronde que tu es parti dire quoi là-bas là. Comme la dernière fois, on parlait de si c'est. Moi, je croyais qu'on parlait de à moins. Alors qu'on moi, je suis souvent venu parler. Moi, je ne parle pas moi les directs des gens. Voilà, je sais que tu ne parles pas. Non, moi, je ne fais pas moi le waka sur Facebook. Madame Achidiko, il faut faire un big up à mon père, Achidiko, mon père. Oui, si, c'est vrai, mon père qui tape la machine aussi, la tic. Quand on dit oh non, c'est un grand homme. Je respecte Achidi Kolo. Jusqu'à l'heure actuelle, je le respecterai. C'est un exemple de tandem. Parce que quand tu tombes, il tombe. Tu te relèves, il te relève. Il se relève avec toi. Karine aussi vient de rentrer. Il est dans un couloir, là, il tombe avec toi. C'est ça qu'on appelle l'homme. C'est ton bras droit. C'est ton bras droit. Tu vas toujours continuer avec papa Achidi. Tu vas bénir votre couple. Et le mariage a trop de bénédictions à dire ça. Trop de bénédictions. Amen. Trop de bénédictions. Amen. Maman, on disait que Sarah, bibliquement, là, on a dit que Sarah, à quel âge elle avait eu l'enfant? À 90 ans. Maman, bébé, tant que tu vis avec papa Achille, là, tu auras l'enfant, des enfants. Amen. Même. Ton progéniture, c'est progéniture. Donc, tous ceux-là qui restent souvent là, pour se moquer des femmes qui n'ont pas encore enfanté. Mais tu as un enfant, tu as une très belle fille. Ouh, ma miss. Anaël, la miss, la dauphine camerounaise. Ah. La miss camerounaise. Respect. Merci. Et quelle inspiration de lui mettre que tu t'es produit, maman. Elle incarne. Elle incarne ce que tu t'es produit, maman. Seulement pour ça, je vais t'appeler, je vais commander ma gamme. Merci. On va, voilà ma soeur et moi, parce que là, on a pris le lien depuis une semaine, on va t'encourager dans ça. Merci et beaucoup. Et on va t'appeler, on va commencer, on va commander nos produits. Merci. Et on sera content de les utiliser. Parce que tu es quelqu'un de bien. Et le reste là, c'est très belle. Tu es très belle d'abord. Merci. Elle n'est pas camerounaise, hein, mais elle te supporte plus que moi-même. Ah, c'est gentil, merci. Voilà. Donc, on va acheter tes produits. Toi, ne te dérange pas. Et le reste, maman, peut-être, s'il te plaît, continue encore dans tes prières. Même Marie-Josée, là, qui est notre maman, là. Elle est là. Vous ne l'avez pas vu passer, voilà. La vieille, elle a passé là tout à l'heure. Dis à la maman de Marie que si elle a eu ce nom, je ne sais pas pour rien. Elle est vraiment la maman de Marie. Notre mère, là, c'est une bonne femme. Et je lui dis merci de nous avoir mis au monde. Cette femme que tu es quelqu'un de vrai et de bien. Tu ne recules pas, s'il te plaît. Merci. Je ne veux pas trop parler, mais ne recule pas. Avance, nous, on va t'aider dans ça. Là où tu es compresseur, je vais toujours entrer dans le même chemin. Je vais toujours aller avec toi. Merci. C'est ce que j'avais à te dire. Mais je vais t'appeler pour la commande. Sois en sûr. Pour ça, c'est comme ça. Parce merci. Que j'ai vu du bien. Merci. Donc je te fais. Tu es trop belle. Merci. Trop belle. Merci beaucoup. La coco là, tu es trop belle. Merci. Les larmes manquent. Merci Maria. Maria, merci beaucoup. Bon dimanche. Bye. Merci. La maman de Jésus est là. Elle est là. Elle a entendu parler. Je sais pas avec qui elle parle au téléphone. Comme elle aime aussi le Congo, ça. Peut-être le Congo, ça, c'est une de ses filles. Parce qu'elle parle en patois, elle parle avec nous. Elle parle où Samba, ça, où Samba Koko, qu'elle parle là. Allô? Ouais.
On ne va pas laisser les gens de WhatsApp appeler aujourd'hui au nom de Dieu. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, je vais passer le direct de Maman Pépé. Oui, vous êtes en direct. D'accord. Allô, Maman Pépé? Oui, ma chérie, on t'écoute. Oh yes, so. Oh yes, so. Éloigne-toi d'abord de ton poste récepteur parce que toi tu vois en retard alors que tu es déjà en direct là. Ah d'accord. Ça, c'est bon là. C'est bon, mais c'est toi en fait, comme tu es en même temps ici et là-bas, tu te dis que tu n'es pas en direct. Tu es déjà en direct. Bon là, je peux parler? Si. Oh yes, maman. Oh yes, oh. Regarde comment tu rayonnes, comme la vieille Marie. Merci. Mais je ne veux pas te voir comme ça, hein. Je veux toujours te voir rayonner comme le la vieille Marie, maman. Toujours te voir rayonner. Parce que quand tu as un petit problème là, c'est le Satan qui vient à s'installer dans ta vie. J'ai dit non au Satan. Amen. Je vais la route au Satan, oh, maman Pépé. Amen. Et je passe ma commande en direct. Je suis noire. Je suis bien noire. Ben, il y a le temps sur moi. Je suis des métis, des canons. Tu es bien noire. Tu vas être un caramel. Oui, le temps oh, yes, des canons. C'est là, il y a ça, là. Oui, je veux que Marie-Josée prie pour ses enfants qui sont sur la toile. Oh. Maman. Qui est la paix, oh. Maman, moi j'appelle Marie-Josée. On dit ici qu'il faut que tu pries pour tes enfants qui aient la paix sur la toile. Oui, qui aient la paix. Je ne veux pas, on ne veut plus entendre les problèmes. Les cendres, les compresseurs. T'as compris? Il faut que tu pries pour tous tes enfants. Voilà, tous les enfants. De tout le monde. Je lui ai dit que le, ne regarde pas les injures, tout ça. De maman Pépé. La matin dit que elle a dit que même si on m'insulte que je ne réponde plus. Les injures ne t'enlèvent pas ta beauté. Voilà. La reine dit que les injures la me rajeunit. La maman de Jésus. Marie, la mère de Jésus. Je t'envoie les cœurs, je t'envoie un message sur WhatsApp. Je t'envoie les cœurs tout à l'heure, tu sauras que c'est moi. D'accord. Je t'envoie un message. D'accord. Parce que moi, je ne vis pas ici, je viens de temps en temps. D'accord. Ok, bonne chance et beaucoup de pluie, de bénédictions. Merci, elle va prier, elle va prier, t'inquiète. Bisous, bonne semaine. Moi, je vais intérêt à arranger la toile. Et la mère, l'humanité, elle met des enfants. Intérêt. D'accord, merci. Elle va le faire. Elle le fait tout le temps, hein, t'inquiète. Ok, d'accord, je vais entendre les problèmes pour m'en rester en paix. Il n'y a pas de problème, ne m'écoutez plus, les fous. Mais c'est la mère de Lolo, hein. C'est la mère de Lolo, je ne manque pas d'une petite. Je ne manque pas, c'est la mère de Lolo, je ne manque pas. C'est la mère même de Flo, de Lille, la mère de Sang, la mère de tout. Kanaï dit que tu es en train de déranger là. Quand elle dit que tu déranges Léa. C'est la mère de Lolo, puisque Lolo venait l'encourager quand on faisait le bouillon à Madagascar. Là. C'est la mère de Lolo. Ok. Donne-moi le couteau, Kanaï. Voilà. C'est la maman de Lolo. Bonne chance, madame. Merci. Oui, je peux prendre pour ma commande. Je vais envoyer l'adresse. Ok, tu m'appelles tout à l'heure. D'accord. Bah, bisous. Bisous, bon dimanche. La matin dit que les injures là me rendent belle. Elle connaît comment ça fait mal au cœur. Elle dit que les injures là me rendent belle. Parce que j'ai dit que quand on m'insulte, ça me fait grossir. Au bout de ça, je voulais vous dire, chaque fois que vous faites quelque chose, pour nous là qui avons encore la chance d'avoir nos parents, pour nous qui avons la chance encore d'avoir nos parents, excusez-moi, ah, elle parle avec sa fille, celle que je suis. Non, le couteau, non. Je me sens pas très très bien en fait.
Allô? Oui, allô? Oui. Bonsoir. Bonsoir, tu veux quoi? Je n'ai pas entendu, ferme la porte. Bonsoir ma chérie, excuse-moi, il y a la femme là qui vient de rentrer là, elle dérange. Bonsoir ma chérie, on t'écoute, tu es en direct là? Oui, je t'appelle là pour intervenir. Oui, tu es en direct ma chérie. Okay. Le 10 de Facebook, j'aime ça, j'aime le, tout là, le drapeau là que le 10 de Facebook. Oui ma chérie. Donc que les gens arrêtent avec le nom de Lolo. Le sujet du jour, il ne s'agit pas de Lolo. Non, on n'est plus en train de parler de Lolo. On n'est pas en train de parler de Lolo. Non, ma chérie, on n'est pas en train de parler de Lolo là. Non, on n'est pas en train de parler de Lolo, ouais. Non. On n'est pas en train de parler de Lolo. Alors que les gens arrêtent d'appeler. Si quelqu'un n'a pas encore de vue par rapport à lui, il n'appelle pas. Non, on n'est pas en train de parler de Lolo, t'inquiète. Je ne peux pas accepter qu'on parle de Lolo. On n'est pas en train de parler de Lolo. Voilà, on ne veut même pas les noms des gens. On est là pour nos produits. Que chacun donne son point de vue par rapport aux produits. Ceux qui veulent commander, commandent. Si quelqu'un n'a pas notre sujet, qui n'appelle pas, ça ne sert à rien. Achetez-moi un peu le sopalin, s'il te plaît. On n'est pas en train de parler de Lolo et on n'est pas en train d'insulter Lolo aussi, pardon. Il ne faut pas que demain là, Lolo se fâche là-bas que. On l'a insulté. Ça devient pour moi, pardon. Pardon. Oh. Allô, bonjour. Non, s'il te plaît, s'il te plaît. Tu veux me dire ce que tu veux. Allô, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te reculer un peu ton poste récepteur, s'il te plaît, ça résonne ici. Ah, d'accord, mais je voulais passer au direct de Maman Perpé. Mais tu es en direct, ma chérie. Allô? Allô? Oui. Bonjour, Mama Pépé. Bonjour, Longo. Mama Pépé, là, je vais te clasher. Je vais te clasher. Depuis vendredi que je t'appelle, tu me décroches pour téléphone. Ouais. Tu m'as appelé quand, non, chérie? Je n'ai pas répondu. Vendredi. Mama Pépé, regarde, je fais mon travail. Je me mets sur WhatsApp. Je peux me nerver. Je dis, viens à vos heures. Et vous me mets nerveux au téléphone que tu me décroches pas. Dis donc, tu vas être belle comme toi, non? Dis-moi chérie, j'ai fait quoi? Non, ne me clashe pas, pardon, je suis fatiguée. Tu veux quoi et quoi? Tu veux un visage? Quoi et quoi et quoi? Moi j'ai un pain chocolat. T'as un chocolat? Oui, je suis noire moi. Donc tout mon corps est nyanga, mais mon visage a toujours. Bon. Bon, envoie-moi un message tout de suite alors. Envoie un message là sur WhatsApp. Ok. Bon, je serai à Paris tout à l'heure. Si tu veux, envoie-moi un message. Mais c'est pour ça que je dis alors que je serai à Paris tout à l'heure. Si tu es à Paris, moi je descends avec. Non, je suis au sud, au sud de la France. Ah non, il faut te poster ça. Exactement, c'est pour ça que je voulais poser avec toi que tu vois ça. Excuse-moi alors mon père, excuse-moi chérie, excuse-moi. Tout à l'heure, envoie-moi un message comme ça dès que je finis. Non, s'il te plaît, envoie-moi un message tout à l'heure, comme ça, dès que j'ai fini, je regarde ton message, je te réponds. S'il te plaît. Ok, merci. D'accord. Merci. Et félicitations, félicitations. Merci. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas eu le courage de m'appeler pour me souhaiter félicitations. On m'appelait ça quoi? Jalousie ou quoi? Mes copines, il y a mes copines qui m'ont pas appelé pour me souhaiter félicitations. Hein? Ah non, félicitations, franchement. J'ai tout payé dans ma tête, tu viens de me choisir. J'ai pas même cherché ça. Le jour que tu m'as dit que tu faisais des enfants là, j'ai vu le match sur la vidéo, tu partais, c'est pour ça que ma mère était à partir. C'est vrai? Oui, j'ai tout payé après toi là, tu viens de me suivre là, viens à vos va recourir à ma tête au Cameroun. Ouais, pas grave. Je suis rentré là dimanche dernier et j'ai repris le boulot. Tu as ramené quoi le porc et puis? Moi je n'ai pas ramené là dessus. J'ai ramené tout ma tête, les lignes, le coin, le tout ma corde, le porc et puis, le parcours, tout. Envoie-moi un peu le poc et pique, non? Je dis que c'est bien au congélateur. On fait comment alors? Je vais te faire tout à l'heure sur WhatsApp, c'est le même numéro là, c'est mon numéro. Moi, c'est pas le faux numéro, c'est mon numéro. Non, envoie-moi un message sur WhatsApp, chérie. Envoie-moi un message sur WhatsApp. Merci beaucoup, bon dimanche. Bonsoir à papa Achille. Il est là. Ok, ciao. Merci.
pas avec lui. Allô? Allô? Oui? Oui, bonjour maman. Bonjour. Oui, moi je t'appelais pour te dire de venir ta vie ce dimanche. Merci. Voilà, je voulais te dire que maman Perpé, tu as connu l'humiliation comme je l'ai connue. Oui. Mais tu oui. es une forte fille. Mm. Va de l'avant. Ne change pas. Merci. Ce matin, je voulais bénir, ce dimanche, bénir ta vie. Bénir tes entrailles. Merci. Ne te décourage pas, tu auras des enfants. Merci, amen. Tu auras des enfants et tu diras au Seigneur que maintenant, je ne veux même plus. Amen. Et puis, je vais bénir ton couple aussi. Parce que la Bible dit, bénissez-vous les uns les autres. Bénissez-vous les uns les autres. Moi, je suis une croyante très, très pratiquante. S'il te plaît, maman, je voulais juste te demander un petit truc. Oui. C'est que de ne même plus écouter ce que l'autre, le côté adversaire, ils peuvent tout dire de toi, mais il n'y a rien que Jésus qui connaît ton identité et aujourd'hui, il a changé ton identité. Amen. Voilà. Mm. Reste comme tu es, ne change pas. Et puis, tu me salues, tonton Achille. Et puis tu passes une bonne journée. Merci beaucoup. Voilà, bon dimanche. Bon dimanche. Merci. Et la paix dans ton couple. Amen. Ma mère. Merci. Allez, je t'embrasse très fort. Bisous. Merci beaucoup. Franchement, je vous mens pas. Allô? Allô, maman Pépé? Oui, ma chérie. Maman Pépé, juste une minute après, je libère la ligne. D'accord. Non, c'est pas de ma faute, c'est que les gens appellent, comme tu appelles sur WhatsApp. Hein. C'est pas l'hôpital, ça. Allô? Allô, maman Pépé? Oui. Oui, Pépé, je suis... Oui. Attends, je vais... Oui, Perpétue, j'ai d'abord appelé là. S'il te plaît, ne me raccroche pas. Non, écoute, s'il te plaît, ne me raccroche pas. Te voilà où? Écoute, nous sommes tes femmes depuis des années. Quand il t'arrive quelque chose sur la toile, comme tu as mal, sache que c'est comme ça que nous avons aussi mal. Donc quand les gens te disent n'accepte pas que tes femmes fassent ceci, n'accepte pas que tes femmes fassent cela, moi particulièrement, je ne peux pas t'amener à faire des clashs. Oui. Parce que ça ne t'avantage pas. Oui. Et quand tu es trahi sur la toile, ça nous fait mal. Prenons le jour où la pute de Nadège t'a trahi. Perpétue. Tu n'es pas ma soeur, je ne te connais pas. Mais je n'ai pas dormi la nuit là. Je n'ai pas dormi. J'ai même coulé les larmes. Donc, en ce qui concerne Lolo, excuse-moi, ne me raccroche pas. On te supporte que je ne vais pas insulter Lolo. Okay. En ce qui concerne Lolo, tant que Lolo est ami avec Chauve-Souris, Mbarga, Madame Ibou, nous autres, on ne peut pas supporter votre amitié parce qu'on connaît la haine que Marie-Louise Mbarga a avec toi. On ne sait pas ce que tu as fait à Marie-Louise Mbarga. Vous n'avez pas le même âge. Flore, Lolo et toi, ce sont tes aînés, mais vous êtes dans la même génération, vous pouvez vous embrouiller. Marie-Louise Mbarga, je ne sais pas ce que tu dois à cette femme. Je ne la connais même pas, ma chérie. Et si aujourd'hui, Lolo est la meilleure amie de Marie-Louise Mbarga, franchement, tu dois faire attention. À ta vie, tu dois, même si tu n'as pas de problème avec Lolo, tu dois faire attention. Parce que ce que Nadège ne va pas t'a fait, ça doit te servir de leçon en ce qui concerne les amis. Parce qu'il y a trop d'amitié en carton sur Facebook. Même si Lolo est ton ami, il y a une fille qui a appelé pour dire que Lolo lui a dit qu'elle prend du recul. Ma chérie, quand on aime quelqu'un, on ne prend pas du recul en amour. On ne prend pas du recul en amour, à la guerre comme à la guerre. Toi, tu te fais des ennemis. Dernièrement, j'ai vu via une des stars, de vos stars, là, elle n'est pas trop vulgaire, on ne la connaît pas trop. Elle chante, j'oublie son nom. Oui.
S'il te plaît, tu me rappelles son nom. Elle chante comme ça, c'est une fille. Tiens. Non, il ne prononce pas le nom là. Il ne prononce pas le nom là. Pourquoi tu me dis en erreur? Oui, tu sais quand même de qui je parle. Oui, je connais de qui tu parles. Voilà. Elle ne dit pas. Elle a insulté. Voilà, demande-nous. Demande-nous. Demande-nous à insulter le président Raymond Tinga. Même comme ça, elle a insulté 2 jours après, elle a demandé les excuses. Demande-nous, c'est une bipolaire. Moi, je pense parfois qu'elle n'est pas très normale. Donc, pour elle, c'est un cas à part. Et donc, quand toi, tu as ces problèmes pareils, elle insulte le président Raymond Tinga, toi, tu viens acheter le problème, les gens t'insultent de gauche à droite. Si Lolo t'aime vraiment, pourquoi tu es dit qu'elle prend du recul quand Foucault va sortir son lait, c'est là où elle va faire ceci, elle va faire ceci, elle va faire ceci. Mais en ce temps, elle a mis avec Marie-Louise Baza. Franchement, moi, j'aimais Lolo compresseur, mais à un moment, il faut arrêter. Moi, je t'aime et si je dois intervenir pour dire ce que je pense, je dis parce que quand j'ai mal, quand on t'affiche, c'est pas quelqu'un qui a mal avec moi. Okay. Donc moi, j'exprime mes sentiments avec ma star compresseur. La petite voiture. Belle femme, la classe, c'est toi. Merci. Toutes ces stars-là coupent un peu les cheveux. Elles les dominent quand elles viennent faire les. On appelle comment? Elles viennent faire vos directs là. Non, moi je dis qu'à partir de la semaine prochaine, je vais mettre les make-up là. Je veux que ma soeur mette les make-up là. Pardon, il faut arrêter. Donc, quand moi, nous on te supporte et que les gens ne nous disent pas que ne parlez pas de ceci, ne parlez pas, on vous conseille. On ne vous insulte pas, on vous conseille. Donc fais attention avec Lolo, même si tu l'aimes, mais mets des bonds dans votre amitié. Parce que ton ami ne peut pas se balader avec ton ennemi. C'est inconcevable. Personne ne peut accepter ça. Marie-Louise Mbarga, Chauve-souris Mbarga. Tu es une sorcière. Je sais que tu m'écoutes. Tu es là. Tu regardes toujours les directs. Et celle de Mbaput, la chanteuse là. Bacho, Antoine Bacho, tu es devenu star grâce à compresseur. Nous tous on fait ça. Tu es devenu star grâce à compresseur. Aujourd'hui, tu fais des vidéos sur ton poste, des vidéos à la con pour étudier compresseur. Vraiment Bacho, j'ai honte pour toi avec tes cheveux blancs qui poussent derrière sur ta tête là, je pensais que tu réfléchis. J'ai honte. Comme compresseur dit, c'est je suis honte à toi, Bacho. Honte à toi, Bacho. Si même aujourd'hui, le jour que tu vas te marier avec Nadège Mbapa, si vous allez vous marier, quand on va vous demander, vous vous êtes rencontrés comment à la mairie, c'est le nom de compresseur qui sera devant. On s'est connu grâce à une amie commune, c'est qui c'est compresseur. Nadège Mbapa, pute, tu es sale. Bravo, tu ressembles à un homme. Tu es très laide, Nadège. Vous savez que Antoine Bacho qui peut te regarder, Antoine Bacho, tu es vilain. Avec tes cheveux blancs, tu es vilain. Tu es vilain, Antoine Bachou, je te hais. Je suis parti de chez mon rouge, j'allais dire que maintenant, moi, monsieur, comment c'est? Tu te mets au make-up? Il va aussi mettre le make-up maintenant. Merci. C'est bien naturellement. Il va aussi faire. Ouais, on va pas te laisser ma soeur, c'est pas là aujourd'hui. Ouais, Seigneur. Allô? 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 Oui, c'est compris ça. Oui, maman, merci. Et? C'est ta soeur, Bakoko, qui te parle. Mata Maho, oui. C'est Maman Pépé? Maman Pépé, c'est Maman Pépé. Ce n'est pas Maman Pépé. Ouais, elle est en direct, là. Elle est en direct. Mais je suis en direct, je t'ai mis en direct, hein. Je n'ai pas compris, tu as tout laissé. Allô? J'ai dit que ça arrive chez toi en retard. Ouais. Je suis en direct et puis toi tu me vois en retard. Ah, d'accord. La voix, tu ne reconnais pas la voix. Ah, oui, je reconnais la voix. C'est ta soeur, Bakoko.
Salue-moi ta maman qui passe derrière. C'est notre maman Bakoko là. Maman Bakoko, on te salue ici. La maman de Jésus, Marie. Voilà. Salut Lady. Ma fille. Il fallait mettre la pluie. Je viens travailler pour la chancelière. Je vais faire le pain perdu maintenant. Maman t'a dit qu'elle est venue travailler pour la chancelière, elle va faire le pain perdu. Je reconnais maintenant la voix. Je voulais juste te dire que je voulais te dire que ma soeur, nous on te suit depuis. Tu as l'appui de toutes les tous les Bakoko. Il faut que tu le saches. Merci. Voilà. Tout à fait, maman. Tu vois, elle est sur un retard. Donc, du coup, il faut savoir que nous, les Bakoko, on te soutient. Merci. Même si nous sommes dans l'ombre, on te soutient. Tu es notre modèle. Reste comme tu es. Merci. Tu es belle. Tu es puissante. Tu es posée. Et nous, on te respecte. Merci. Tu entends, compresseur, la chancelière? Nya, hey, patron, Nya. Patron, tu veux le pain perdu? Oui, je veux le pain perdu. T'as la vie, Nya. Ici, on ne jette pas le pain, le pain rassis. C'est pour faire le pain perdu. La matin n'aime pas qu'on jette la nourriture. Ne l'écoute pas. Faut pas l'écouter. Okay. Elle, elle ne fait que parler. Elle parlait, 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 vocifère. Non, je n'écoute plus personne. Même ma mère m'a dit que on m'insulte, que je ne réponde pas, que je suive seulement ma route. Voilà. Je te souhaite bon dimanche. Merci. Et continue comme ça. Merci beaucoup. Et on sait Amirka. Même Beyoncé te suit. Rangasi, vous allez marrer maintenant. Elle n'a pas les lunettes, hein? Mais elle, elle dit que Beyoncé, America. Oui, j'ai vu Beyoncé là. Vient de passer. Beyoncé a dit quoi? Attends, je descends un peu. Tu vas me dire ce que Beyoncé a dit. Beyoncé a dit quoi? Bon, je descends encore. Mais elle ne se voit pas là. Tu es adorable, maman. Allô? Beyoncé, America, tu es adorable, maman. Oui, oui, oui. Vous avez vu, non? Allô? 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 Allô, bonjour. Ah, oui? Bonjour, je suis en Allemagne. Je voulais seulement dire à Maman Pépé que tu es belle. Merci. Allô? Merci. Merci beaucoup. Tu peux un peu t'éloigner de ton poste de réception. Quelqu'un doit encore appeler sur le téléphone normal. Qu'on appelle sur WhatsApp, ça. Allô? Allô, maman Pépé? Oui. Allô? 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 Oui. Allô? 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 Oh. Non, éloigne-toi un peu de ton poste récepteur. Sinon, voilà. Bon. Je pense qu'on a assez rigolé. Hmm? Ici, avec ma mère, on ne jette pas la nourriture. Elle interdit ça. Le pain qui est déjà rassis là, elle pense à faire le pain perdu avec. On ne jette pas la nourriture avec la femme. Si. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, maman Pépé. Bonsoir, Longo. Comment tu vas? Ça va bien et toi? C'est que ça va bien par la grâce de Dieu. Amen. Tu ne connais pas la personne qui t'appelle, mais je t'appelle depuis la Belgique. Je suis gabonaise. Ok. Oh. Je te supporte même plus que ma mère qui m'est mise. Ouais. Là, c'est la Suisse. Décrocher, il faut d'abord faire ça. Tchat, 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 tchat. Ça bug, ça bug, ça bug. Oui, ma chérie, on t'écoute. Téléphone la bug un peu.
Il faut que vous m'assiez, vous mâchiez le make-up. Vous m'installez le make-up. Allô, maman, t'as fait. Oui, éloigne-toi un peu de ton poste récepteur, sinon tu vas toujours avoir un problème. Je t'écoute depuis des années. Maman te salue ici. Maman te salue ici. C'est moi la star, ce n'est pas ma mère la star, c'est moi qui devais saluer. Je sais. Je travaille. Je m'adapte. Je te dis, hein. Je dis, hein. Oui, ma chérie. Allô? Elle dit qu'elle est en train de travailler chez la chancelière. Ma patronne m'a demandé. Et comment elle fait là? Si vous ne mangez pas ça, hey, les problèmes. Elle dit, il ne faut pas jeter. Vous avez vu, non, j'ai mangé, elle dit que je n'ai pas bien mangé. Vous avez vu, elle dit que ne mangeait pas bien. Oh my gosh. Oui, ma chérie, on t'écoute, hein. Je ne prends plus personne lorsque tu finis. Oui, je te supporte comme ma mère qui m'a mise au monde. Oh, donc, merci. Je te supporte. Je ne prends pas les appels privés. Bah, je connais la personne, les gens qui m'appellent en privé, là, c'est pour m'insulter. Je ne veux pas qu'on m'insulte aujourd'hui, pardon. Je vous ai dit que monsieur, je ne veux plus les insulter, je les jure, pardon. Donc, je ne prends pas les appels privés, là. Donc, après que j'ai décroché, on m'a dit que honte à toi. Bon, ma chérie, on t'écoute, là, maintenant. Maman, petit, j'ai dit, je te suis mise au monde. Merci. Merci beaucoup. Je te suis... Ou j'ai même appelé à ton téléphone quand tu étais en Afrique avec ton mari. Ok, oh. Puis j'ai appelé ton mari, il était salué, il était donné beaucoup de bénédictions. Faut pas suivre les ondits. Tu vois, depuis qu'on parle de toi, tu progresses, hein? Et je grossis, hein? Est-ce qu'on parle de bouche? On parle des choses qui sont importantes. C'est un appel privé, je ne prends pas. Dès que je m'en décroche, on m'a dit honte à toi. Nya, tu as apprécié la matière? Merde, c'est grave. La bénédiction pour toi, ça va seulement avancer. Allô? Oui, c'est elle, compresseur. Elle-même en personne. Oh yes, oh. Maman Pépé, nous te disons merci. Tu nous as fait une grosse surprise. Tu ne peux pas imaginer. Oh là là. Très, très, très. Vraiment, c'est nous qui te disons merci. Hein. On attendait tellement ça. Mais je vais te dire une chose. Sache que tu es beaucoup aimé. Tu es beaucoup aimé parce que il y a de cela deux semaines, j'étais à un baptême. Et là-bas, il y avait du monde, bien sûr. On faisait des commentaires et autres. Mm-hmm. Et puis, on a commencé à parler des blogueuses sur Facebook. Hein. Donc, quand on parle de Flore, on parle de toi, bien sûr. Mm-hmm. Alors, j'ai posé une seule question. Entre les deux, là, vous préférez qui? Je dis, je suis à 80%. Tout le monde te préfère, hein? Je dis, tu es à 80%. Parce que beaucoup disent, voilà, tu es sainte d'abord. Et sache que tout le monde entier vous voit. On voit tout ce que vous faites, hein? Même à la présidence, même au Cameroun, on voit, on vous connaît. On voit tout ce que vous faites sur la toile. Moi, ce que vraiment je vais te dire, c'est déjà félicitations, bravo. Merci. Et j'étais fière déjà parce que quand Flore a sorti son produit, je l'ai félicité. Si. Et en retour, à moins que peut-être je n'ai pas vu, mais en retour, moi, je n'ai pas vu, elle t'a pas félicité. C'est moi, normal quand on est une petite femme. C'est une petite femme, c'est normal. Voilà. C'est-à-dire, tu vois comment elle n'a même pas eu, c'est-à-dire, même la honte, même pas honte. Elle allait même en passant dire vraiment félicitations à compression. C'est pour dire que, vraiment, je vais dire une chose, je ne sais pas si Rafa Mélanie nous suit, si
qui est sur ce direct. C'est une fille qui dit beaucoup de choses. Hein, de qui vrai. Ça? Je parle de Radia Mélanie. Oui, c'est notre fille. Je vous jure que tout ce qu'elle dit... Non, la petite là... La petite là, elle a elle a du crack. C'est une petite. Je vous assure. Un grand big up à cette petite là. Ah, ça, elle a pris tout le sang Bassa, hein. Elle n'a même pas un peu pour le sang Bamleke parce qu'elle est Bamleke Bassa, non? Bah, mais tout c'est une Bassa. Ah non, ouh, ouh. L'enfant là, le jour que je veux croiser cet enfant, je n'ai rien, mais je vais lui donner quand même une bouteille de champagne. Je vous dis que même au Cameroun, on parle de cette petite. Non, la petite là, non, elle sans jalousie, sans hypocrisie, c'est une enfant que... Jalousie. Moi, dès le premier jour que j'ai vu cette petite apparaître, voilà. je l'ai directement aimée, mais je veux pas... j'ai eu à lui donner des petits conseils que, ma fille, voilà, tu es déjà... Tu es une PDG. Mais n'aie pas peur. Tu es une PDG. Alors... Je sais que tellement vous l'aimez. Non, en fait, je n'ai pas envie que son image... Bon, là, maintenant, ils ont déjà sali son image un tout petit peu. Mais c'est une petite que, franchement, qui... J'aimerais que ma fille aussi devienne comme elle-là. C'est une petite qui a du courage. Elle a du potentiel. Elle est waouh. Donc, cette petite, vraiment, respect. Et ce que j'aime en elle, et j'ai compris qu'elle est intelligente parce qu'elle n'a pas de soucis. Non, cet enfant est trop intelligente. S'il te plaît, elle comprend. Donc, tu as dit ça là tout à l'heure. Tu n'as pas de cible sur la toile. Tu es entré dans ce combat, c'était pour combattre une personne. Je n'ai pas deux adversaires sur la toile. J'ai une seule adversaire. Jamais. Parce que, et c'est vrai, les histoires. Quand elle ferme la porte, s'il te plaît, tu peux te rouler là. Autres, c'est pas pour rien que même quand deux personnes font l'amour, ils le font en cachette. Ils le font dans la chambre. Bien sûr. C'est une intimité. Mais cette dame-là a exposé tout au vu de tout le monde. C'est-à-dire même les enfants aujourd'hui peuvent tomber sur les vidéos et voient ça et constatent que c'est une Camerounaise vraiment, c'est une honte. Bien sûr. Et c'est ce que tu as toujours combattu. Mais c'est pour ça que j'ai félicité. Voilà. Que, oh, enfin. Exactement. Voilà notre sœur. On s'est tant battu ici qu'elle quitte dans les histoires exactement. De gourde à la con. Oui. Elle a sorti, même si elle achète des trucs à 1 euro, c'est pas grave. Elle a au moins choisi. Mais là, elle a fait fort encore. Hein. Non, j'ai vu l'autre jour. Ferme la porte, s'il te plaît. Les trucs sautent. Vraiment, moi, je vais te dire que cette femme, tout ce que Radia Mélanie, tout ce que Radia dit sur cette femme est vrai. Et parce que, et c'est vrai parce que cette femme pose ses actes. Radia a dit une chose, cette femme a grandi au village. Et elle a la mentalité des villageois. C'est-à-dire que la bouche. Si tu fais ton commerce, elle fait son commerce aussi. Chacun a ses clients. Ben oui! Quand tu es sa voisine, elle va faire les médicaments, même comme elle vend. Hein. Ben oui! Même comme elle vend. Et que toi aussi tu vends, et qu'une autre personne aussi va saliner. Elle va faire les médicaments, même pour rien, pour qu'elle soit la seule. Si j'étais comme cette personne-là, hein, ce que Radia dit, c'est vrai. Si j'étais comme elle-là, moi j'ai des clientes ici qui sont pleines d'autres Camerounaises. Qui vendent aussi la crème, ça a gâté leur peau. Voilà. Mais quand tu viens saboter le commerce d'une autre personne, alors que toi, tu fais le commerce, voilà. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ils ont saboté le commerce de Radia ici. La Radia a le droit. Non, en dehors même de ça, maman, même ton commerce, elle sabote ton commerce. Si. Moi, je ne sais pas par deux chemins. Et je sais que peut-être tu ne veux pas parler, mais tu le sais. Non. Je dis, laissons même Radia, toi-même qui viens de sortir, qui l'a félicité et tout. Elle sabote ton produit. Mais si, puisqu'il y a une dame qui vient d'appeler pour dire qu'elle a dit que gratter. Hein? Voilà. Et s'il te plaît, elle a même parlé dans l'une de. Et maintenant, là, s'il faut dire alors gratter, que je lance encore, j'ai toujours lancé le défi. Là, j'ai demandé qu'on porte les maillots de bain. Comme ça, on va voir qui est gratter. On avait fait tous ces commentaires. Moi, je connais une fille qui a mis le parfum. Ça l'a brûlé ici.
Parce qu'une comme moi, voilà. Quand je mets le bijou, si ce n'est pas le plaquet, ça me brûle les oreilles. Voilà. Je connais une fille, j'ai la photo, je connais une fille qui ça a brûlé ici comme ça, là, le parfum. Voilà. Elle a mis là, ça l'a brûlé. Voilà. Parce qu'elle fait elle a fait une allergie à ce parfum-là. Voilà. Est-ce que je suis venue montrer que voilà ce que le parfum a fait ici ou bien machin? Non, non. Alors? Non, non. Ça veut dire que elle est jalouse. Je dis que tu as félicité cette femme. Après. Et ça venait du fond du cœur. C'était pas l'hypocrisie, c'était pas une stratégie, voilà. Non. Et après, où c'est sa présentation? Ce n'était pas pour qu'on devienne amis, hein, non. Bah oui. Après, aussi sa présentation, tu as encore félicité et tout, mais elle n'a même pas eu le toupet, ne serait-ce que de te dire aussi. J'ai félicité, après j'ai dit que le pantalon là, c'était comme le pantalon. Non, mais maman, bébé, c'est normal, mais tout le monde a vu. C'est pour ça que j'ai porté le pantalon l'autre jour pour dire que. Non, tout le monde a vu. Tout le monde a vu son habillement. Makoma Lolo, on appelle ça, comme elle aime parler le bassin. Makoma Lolo. Makoma Lolo, je t'ai dit. Mais oui, tout le monde a vu son habillement. Vraiment, ça, tout ça vit son habillement à tout cas. Makoma Lolo. Ah oui, maman Pepe, et je vais te dire une chose. Le jour où tu vas faire ta présentation, perpétue ça avec eux à la fin. Mais moi, si ça ne dépend que de moi, tu n'as pas besoin de faire, c'est-à-dire, le m'as-tu vu? Non. Parce que ce qu'elle a fait, non. Déjà, ils sont nombreux, et puis ça, c'est le m'as-tu vu. C'est le tape à l'œil pour rien. Voilà. Le tape à l'œil pour rien. Non, mais ce jour-là, il va falloir que je porte quand même un pantalon. Et il faudrait. Non, il faudrait que je porte un pantalon ce jour-là, ou un pantalon blanc. Voilà. Et moi, je pense qu'ils n'ont même pas bien réfléchi. Parce que vraiment, pour quelqu'un qui commence avec tout ce qu'ils ont fait, c'est trop de dépenses. Je pense. Moi, je pense que c'était un peu exagéré. Mais peut-être, comme ils savent aussi combien ils ont produit ou combien ils ont peut-être acheté ça, alors ils savaient que vraiment, ils vont faire vraiment une grosse recette. Mmh. Et qui va peut-être couvrir, peut-être. Parce que si on vient compter les trucs de 50 centimes, de 1 euro, eh ben, dis donc. Et quand on revend à 80, bon, mais ce qui nous écœure, c'est que ça vaut jusqu'à mais, présent, elle continue à faire. Ma fille Radia, merci beaucoup de l'info. Non, merci. Merci beaucoup. Merci, ma fille. Nous avons dormi, nous tous à 2h, j'ai dit que je vais écouter ce direct. Même si je vais arriver, et d'abord même qu'elle avait déjà prévu que nous allons arriver tous à retard demain au travail pour ceux qui travaillent. Mais cette fille, elle est à féliciter. Tout ce qu'elle dit, elle ne ment pas. Voilà, Radia, qui vend où c'est le lait. Bon, si tu vends où c'est ton produit, mais elle t'a félicité. C'est petit, dégoûté. Elle t'a félicité. Elle a écrit, elle t'a félicité. Et maintenant? Moi, ce que je vais dire, maman Perpé, bon, au fond, moi, je pense que tu n'as pas les problèmes avec Tata Loulou, mais j'ai l'impression qu'il y a des infiltrés. Moi, j'ai l'impression qu'il y a aussi des infiltrés qui entrent de part et d'autre, parce que chaque fois que tu pars au Cameroun, c'est là où on constate. Ouais. Je ne sais pas pourquoi chaque fois qu'il est pas au Cameroun, il y a toujours un problème. Voilà. Et ceux qui viennent dire que je leur dois les 5 millions, oh. Vraiment. Voilà. Et ceux qui viennent voir même la vache folle pour dire là-bas que j'ai les révélations, oh. Voilà. Hey! Jusqu'à elle a dansé, jusqu'à dire enfermez-la. Enfermez-la! On enferme comme ça. C'est toi qu'on va enfermer. Enfermez-la. Moi, je n'ai pas au Cameroun en coin d'Alexandre. Voilà. Elle t'a toujours dénigré. Mais je te jure que maman, Pépé, tout ce qu'elle dit sur toi là, c'est ce qu'elle elle est. Quand elle dit que les mamans, elles de poulet ou c'est ma elle de poulet, c'est elle qui est elle de poulet. Parce que c'est elle qui est mendiante. Non, mais c'est vrai. On voit tout sur la fois, elle n'a rien. Elle n'a rien. Le jour où elle charge un peu, où c'est son congélateur, elle charge plein. Elle va dire, vous pouvez. Le jour est bien dit que. Il faut l'enfermer. Elle n'a rien. Depuis là, la personne qui a dit qu'il faut m'enfermer, elle est où? Elle n'est plus passée dans le direct d'abord. Voilà. 5 millions. Comme moi, vraiment. Et puis, il n'y a même pas de comparaison entre toi et cette femme-là. Toi, sincèrement. Toi, tu as un homme dans ta fille, tu es rangé et tu mènes bien ta fille. Et elle Tu ne dois faire que des trucs pour les gens sans produit ni pour rien. Elle est quoi? Je dis qu'elle continue, c'est elle qui sabote, c'est elle qui est derrière tout ça.
Mais on dit toujours que ce que tu fais à quelqu'un, ça va retourner contre toi. Mais elle savait un jour qu'elle allait aussi faire, où c'est le commerce. Elle savait ça un jour. Elle a passé toute sa vie à saboter, et elle continue à saboter pendant qu'elle fait le commerce. Par contre, vous tous, vous avez... Ils ont saboté l'enfant là, ici, là, jusqu'à... Voilà. Sans savoir qu'elle aussi, elle est sortie. Hé, hey, bébé là. Voilà. Quand on dit qu'on est bête, vous étiez à l'école, mais vous êtes bête. Voilà. Et c'est ça. Que vous avez décidé, toi, tu as décidé que non, tu l'encourages dans tout ce qu'elle fait. Et tata Lolo, malgré tout, a préféré dire bon, tant mieux, elle reste tranquille. Beaucoup de gens ont même dit tant mieux, elle peut peut-être changer. Non, quand on est resté tranquille, après, c'est qu'elle était sûre qu'elle a gagné et qu'on avait peur d'elle, voilà. En fait. Hein. Voilà, mais c'est ça ton problème. Elle se dit que peut-être que vous avez peur d'elle. Et la meilleure méthode, c'est ce que Radia fait là. Radia Mélanie fait du tic ou tac. Et avec celle-là, c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Parce que quand tu lui donnes de l'espace, elle veut prendre la tête. Hein? Quand quelqu'un lui dit même que voilà, alors où c'est de l'espace que tu voulais prendre, non, elle veut envahir. C'est-à-dire effacer tout le monde et rester seule. Mais elle n'est pas aussi bête que je le croyais, franchement, parce que j'ai entendu comme si on m'a dit qu'il paraît qu'elle a dit que si quelqu'un prononce encore son nom, où elle va porter plainte. C'est bien sûr, c'est déjà qu'elle a cybercriminalité. Mais entre-temps, il faut aussi aller au Cameroun. Non, tu sais, elle ne peut pas porter plainte parce qu'elle a fait beaucoup de mal. Elle ne peut pas porter plainte. Ça va se retourner contre elle-même. Je te dis, maman Pépé. Je sais, non, je sais. Tu vas voir. Si elle pense qu'elle-même, elle sera surprise que les gens vont même se lever contre elle et porter même et lui porter aussi plainte. Elle a fait beaucoup de mal. Moi, elle n'est pas encore en décembre au Cameroun. Elle ne peut pas. Moi, ce que vraiment je veux te dire, et je te supplie que vraiment ne parle plus de la soi-disant ex-grand-sœur, parce que vous n'êtes plus de la même catégorie. Non, vous n'êtes plus de la même catégorie. Je ne peux pas parler de ce genre de personne. Elle est trop sale. Ça vient, parce que quand tu parles d'elle, tu lui donnes des points. Non, depuis, est-ce que je parle encore d'elle? Voilà, exactement. Aujourd'hui, tu es PDG. Non, mais tu es une PDG. Tu ne gères plus, tu ne peux plus vivre avec elle. Non, on peut parler d'elle. Elle est maintenant derrière toi, elle est tes fesses. Elle fait ma pub. Est-ce que tu sais qu'elle fait ma pub? Voilà. Elle fait ma pub. Il paraît qu'elle partage mes vidéos. Merci, oh. Alors, au goût de ça, oh. Elle met avant et après. Elle dit que je suis noire, mais ça se voit. Même comme ça, fais la pub de ta soeur. Quand on rentre même dans ton profil, cette femme-là, comme tu vois, elle te pleure. Si. C'est moi qui te dis, elle te pleure au fond d'elle, elle pleure. J'étais son modèle. Parce que quand tu n'aimes pas quelqu'un, même cette photo, tu n'affiches pas ça. Elle affiche ça partout. Profil, oui, elle met ça là. Partout. Ça veut dire qu'elle t'aime, elle te pleure. Elle m'adore. Elle t'adore, maman. Elle t'adore jusqu'à... Dans le pot. Parce que moi, quand moi, je n'aime plus une personne, on a où c'est des problèmes, même tes photos. Je ne veux même pas voir même. D'abord. Je n'ai même pas envie de regarder. Mais c'est naturel. Je n'ai même pas envie de regarder. Moi, c'est comme ça. Quand j'ai des problèmes, même dans mon Facebook, je supprime les photos de la personne. C'est-à-dire parce que je ne veux mettre aucun lien. Mais quand tu entres dans le profil de cette fille, c'est, je dis que ce sont tes photos, ça veut dire que tu sens que cette fille te pleure jusqu'à. Je vous ai dit que mes dames, tous, elle te pleure. Il ne me laisse pas faire. Si un dit comme à maman, oh, hey, maman, c'est petit, oh, non, qui met. Yérike, mon frère, Jésus se va coucher, on me donne le petit déjeuner au lit. Ah ouais, même quand on me menace après. On me donne le petit déjeuner au lit. Ça, le goût de ça. Ah non, maman, tu es vraiment une fille bénie. Merci. Oh, tu nous as fait une surprise, on te dit merci. C'est moi. Il va de l'enfant, on va t'encourager. Tous ceux qui font, d'abord, on voit ça sur toi. Hein. La personne, toutes celles qui vendent ou sur une jambe, la caisse a dit en maillot de paix, on voit. Leurs entrejambes, là, qu'on voit ça. Ce n'est pas qu'on va voir où c'est le visage et tout. Toi, tu t'assumes. Le mari de père, deux pieds, tu mets ça. Tu danses ta chose. Tu je peux aller. Tout, voilà. La prochaine fois, je vais aller chez les nudistes. L'été prochain, je pars chez les nudistes. Vraiment. Bon, vraiment, je suis très contente de toi. Merci.
Merci. Moi-même, tu avais déjà dit, et Tata Lolo aussi avait dit qu'elle ne va jamais t'insulter. Mais je ne sais pas pourquoi, parfois, elle est souvent tentée. Mais j'espère qu'elle-même, elle va peut-être prendre conscience. Non, elle... Parce que j'ai suivi, où c'est son direct hier avec Mana. Vraiment, elle-même, elle a encore été blessée parce qu'elle s'est retenue. Elle disait non, elle n'insulte plus celle-là et ses produits. Mais elle n'arrête de la provoquer. Peut-être elle-même, elle va encore se rendre compte. Moi, je l'ai dit, au fond, vous n'avez pas de problème. Moi, je pense. C'est pareil, même une personne peut avoir... C'est pareil, même toi et puis ton mari, vous avez souvent des problèmes. Vous avez souvent des problèmes. Donc, c'est des choses qui arrivent. Même avec ta maman ou ta soeur, ça peut arriver que vous avez peut-être des malentendus et tout. Et chacun dit, bon, je reste d'abord. Mais au fond, vous n'avez pas de problème. Alors, ne vous perdez pas. Comme toi-même, tu as dit, jamais tu vas l'insulter. Elle-même aussi, elle avait dit. Si c'est qu'elle t'insulte souvent, qu'elle-même se repose des questions. Mais toi, n'entre pas dans ce jeu. Vous avez une personne sur la toile. Et ça, c'est vrai. Quelle charge, c'est cette dernière-là. Vraiment, je voulais te dire félicitations, maman. Merci. Félicitations. Et ça se voit sur toi. Tu as un beau teint. Merci. Maman, beau teint. D'abord, tu es d'abord belle. Merci. Tu ne mets même pas déjà où c'est le make-up. Mais si tu mets alors ça, maman... Si je mets le make-up alors, ça va être grave. Non, ça va être grave, je te jure. Si tu pars même à Tepora là, ils vont te tester. Non, je vais expliquer un peu. Je vais un peu expliquer mes fans là. Je vais demander à une fan là tout à l'heure de m'envoyer un make-up. La maman de Perpétue elle-même est très belle. Alors, l'étoile de Lundi. Maman Perpétue est trop belle. La matin dit qu'elle-même est belle. Le chat n'accouche pas la souris. Alors, regardez les dents d'une femme de 67 ans, ça, c'est clair, ça brille. Non, si c'est maman, ça, c'est maman, elle alors. Maman dit que regardez les dents d'une femme de 67 ans. Ah oui. Non, mais elle répond encore. Hé, la matin. La matin, non, mais mets ta perruque, maman, mets la perruque, tu veux montrer comment tu es belle. Mets ta perruque, tu viens de montrer comment tu es belle. Je suis d'accord, maman, quand elle met sa perruque, moi je vois même qu'elle allait mettre un peu de la perruque. Ça, ma grand-mère, elle est en salon, ma grand-mère qui a plus de 70 ans, elle ne se laisse pas aller. Merci à toi Flo, merci beaucoup Flo, merci. D'accord, bisous, bye. Votre maté est parti dans mettre la perruque. Attendez, vous montrez le modèle de ma robe, hein, parce que ça, je sais que vous aimez souvent mes modèles. Vous avez vu, non? Vous avez vu, c'est joli, non? J'ai triché ça chez ma grande soeur, c'est elle. Au Cameroun, vous avez vu, non, c'est joli, hein? C'est pas joli ça, ou bien c'est beau, non? La matière, tout si elle est partie mettre téléphone, c'est des choses, j'aime bien. Merci beaucoup, Flo. Merci de la pub. Merci beaucoup. Allô, compris-toi? Oui. Comment tu vas, ma chérie? Ça va très bien, merci. Tu es en direct, là, n'est-ce pas? Oui, tu es en direct aussi. C'est que je ne commence jamais tes histoires, non? Oui. Je pourrais t'appeler, tu te souviens de moi ou pas? Bien sûr. Alors, je voulais te remercier une fois de plus, pour mes produits, là. Ok, merci. Et dis à toutes tes femmes que tu es super gentille, quoi. T'es déplacé, t'es venu à domicile me livrer, franchement merci beaucoup, hein. C'est moi. merci beaucoup, une toute petite femme, la petite femme qui dérange certaines, franchement reste telle que tu es. Merci. Je voulais juste faire un coucou et faire coucou à ton mari Achille. Vous êtes tous les deux gentils, quoi. Merci beaucoup. Ok, ben c'était moi, hein. Je ne vais pas rester longtemps. Ok. Merci aussi. Bon dimanche. Bon dimanche. Merci. Bon dimanche, très belle. Merci. Ok, bisous. Bye. Bon.
il faudrait que vous m'envoyez le make-up. Il faut que je commence à faire des directs en make-up. Je suis fatiguée de vous. Allô? Allô? Oh, mon bébé qui est là-bas. Hein? Allô? Allô? Oui, allô? C'est maman Pépé. Oui, c'est maman Pépé. Allô? Oui. Ouais, ma... Allô? 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 Oui? Oui, c'est Madame Perpétue? Oui, c'est bien moi. Oui, j'ai vu vos produits là, ça m'intéresse un peu, moi je suis en fils. Hein. D'accord. Oui, donc je ne sais pas si. Comment ça se passe quoi? Pour avoir. Bon. Je suis brune. T'es brune? Oui, mais j'ai des problèmes. Les doigts, ça dérange, ça ne veut pas être clair. Bon, après, écris-moi sur WhatsApp tout à l'heure, alors tu me montres tes doigts. Que je vois ce que tu peux faire. Ok, d'accord. Hein? Écris-moi sur WhatsApp tout à l'heure avec le même numéro là. Comme ça, tu me montres tes doigts, je vois ce que je peux faire. Si je peux, je te dis je peux. Si je peux pas, je te dis je peux pas. Ok, d'accord, merci. De rien, ma chérie. Ouais, vous êtes belle, hein. Merci. Belle, hein. Merci beaucoup. Et du courage, hein. Je vous suis quand même tous les jours, mais je ne dis rien, mais vous êtes belle, hein. Merci. Oui, tu salues ta mère aussi. Ta mère, elle est jolie, elle est belle. Elle a 67 ans. J'ai dit qu'elle peut te mettre la perruque, elle vient. Elle est là. La perruque, j'ai de longs cheveux. Hein. Alors j'ai de longs cheveux, je n'ai pas, ce n'est pas que la perruque. La mère de qui? Maman, regardez votre mère. Vous devez entendre le goût de ça. Voilà, la crème que je vous disais là, vous avez vu comment ça a gâté. Ça l'a gâté ici. C'est la crème là qui lui a fait tout ça. La crème que je vous ai dit ici la dernière fois. Macari là. C'est Macari qui a gâté la peau de ma mère comme ça. Et comme je suis. Grec de Poulouse, je n'ai pas voulu jeter. Mon lait, j'ai dit que jusqu'à la fin. Voilà, ça, c'est Macari qui a gâté sa peau comme ça. Allô, bonjour. Oui, bonjour, maman Perpé. Bonjour. Je suis en direct là? Oui, tu es en direct. Ah, maman Perpé, c'est pour te féliciter. Oh. Merci. C'est pour te féliciter. Merci beaucoup. Vraiment. Merci. On est très content. Et moi le truc. Très belle, la maman. Non, c'est pour te féliciter. Oui, ma chérie. C'est pour te féliciter. Comment je te vois? Il a pris en photo, regarde. Regarde. Le téléphone bug un peu. Est-ce que vous m'avez apprécié là? Le téléphone est en train de bugger en fait. Allô? Oui, ma chérie, attends, voilà, oui, on t'écoute. On m'écoute? Oui. Voilà, alors moi je voulais te dire ceci, nous t'aimons et tu es beaucoup aimé. Merci. Et tu es beaucoup suivi. Reste comme tu es. Et s'il te plaît, si tu peux me permettre de te dire ceci, Lolo et toi, il faut une grande distance, s'il te plaît. On ne défend pas votre amitié. Vous comprenez un peu, non, maman Pépé? Mais chacune doit rester de son côté. Parce qu'elle ne t'aime pas. Même ses followers ne t'aiment pas. Donc, elle joue l'hypocrisie. Je t'écoute, ma chérie, je t'écoute. Non, t'écoute, ne t'inquiète pas, on t'écoute. Regarde la façon que toi tu calmes souvent tes faux profils de ne pas insulter Lolo, mais ce n'est pas le cas de Lolo. Lolo participe dans l'émission de ses faux profils qui sont en train de t'insulter.
celle là de Marie-Louise Mbarga, la maman là, je sais. Marie-Louise Mbarga, là, l'âge de ma mère, si 67 ans, regarde. Tu l'as, vous l'avez vu dans Facebook. Marie-Louise Mbarga, tu dois te comparer à la femme là. C'est vous les vieilles bombo, c'est vous. Alors qu'on regarde un peu les enfants de celle là, c'est qu'on appelle bien ma Marie la Rose. Elle, quand ces gens ne veulent pas que ces gens entrent dans les clashs et tout, elle dit non, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Mais le long, non. Elle a courage. Mais si on n'insultait pas quelqu'un, elle ne serait pas si belle comme ça. Et tout à ma tête aussi. Ça m'a dit que si on ne m'insultait pas, je n'allais pas être aussi belle comme ça. Hein. Donc, ouais, c'est les insultes qui me rendent belle. Merci. Les insultes, ça te lave le corps, tu deviens encore plus jeune, plus rajeunie. La matinée dit que les insultes me rendent plus belle. Ah ouais, que Dieu bénisse ton commerce. Amen. Maman, reste comme tu es, nous t'aimons. Amen. Et bon dimanche à toi. Merci. Que Dieu te bénisse. Amen. Il y a la vanille, oui, dans le tiroir d'en bas là-bas. Dick, il y a ça qu'il faut bloquer. Voilà. C'est fait, c'est bon. Bon, le dernier appel, hein. Puis après, on va arrêter. Bonjour. Bonjour. Oui, allô, bonjour. Bonjour. Oui, je suis bien chez le compresseur. Oui. D'accord. J'aimerais savoir si vous livrez du côté de l'Espagne. Bien sûr. Dans le monde entier, je livre. Ah, d'accord. Et comment il faut faire pour être livré? Ben, tu m'écris tout à l'heure là sur WhatsApp. Tu passes ta commande. Et puis, les frais d'envoi, c'est à ton compte. D'accord. Et par contre, c'est le même numéro de WhatsApp? Oui, oui, c'est le même numéro de WhatsApp. D'accord, merci, c'est noté. Et de en rien. Plus, beaucoup de félicitations pour toi. Merci beaucoup. Et beaucoup d'encouragement pour ton entreprise. Merci, c'est au gentil, revoir. Merci, au revoir. Bon dimanche. Merci, au revoir. Bon, là c'est bon. On arrête d'abord, d'accord? Là, j'ai fait plus d'une heure. Dit le mot de la fin. Voilà, donc voilà, je vous souhaite un bon dimanche et puis merci à tous ceux-là qui ont contribué, qui m'ont assisté pendant mon direct. Merci pour ceux qui m'encouragent et n'hésitez pas, passez vos commandes. Comme je dis toujours, le client est roi. Si vous avez, ceux qui ont commandé des produits chez moi, vous sentez qu'il y a un petit problème parce que ce n'est pas un produit. On va dire à 100%, hein? Il n'y a pas quelqu'un qui va faire le Janssen qui va dire qu'il n'y a pas un endroit qui n'est pas un peu rebelle. Non, c'est n'importe quoi. Mais s'il y a un problème, les gens qui ont les problèmes de Kento et tout cela, j'ai le produit pour réparer ça. Je vous ai dit, j'ai aussi un masque gourmand. Hein? J'ai un masque gourmand qui est très efficace, qui est très bon. Mais le seul problème, c'est que ça a une forte odeur parce que c'est 100% naturel. Donc, ça sent un peu fort. Pour ceux-là qui ont les boutons, les trucs sur le visage, il y a le derma rouleur. Après le derma rouleur, tu peux prendre ce produit-là maintenant. Tu fais un gommage sur le visage. C'est très, très efficace. Hein? Mais, je dis bien mais, il y a une odeur très, très forte. Parce que c'est à base de la bave des escargots naturelle, pas travaillée, déjà naturelle. C'est pour ça que ça sent fort comme ça. Ça sent un peu comme la merde en fait. Mais très bon. Voilà. Donc pour ceux qui voudront commander, vous n'avez qu'à passer déjà vos commandes. Hein. Je livre dans le monde. Hein. Je livre partout. Je livre partout. Là, il y en a qui. D'autres personnes que, en passant, comme j'allais à Paris, j'ai fait certaines livraisons. Et là, je vais aller à Paris ce soir pour ceux-là qui voudront être livrés aussi à Paris aujourd'hui. Vous pouvez appeler et puis commander. On se trouvera un plaisir de vous livrer. Soit on se donne rendez-vous quelque part et puis je vous fais la livraison. Voilà. Donc, il y a teint caramel. Il y a le teint que j'ai là. Le teint que j'ai toujours donné. Le teint de Rihanna.
Donc, je vais vous laisser. Mets la musique. La musique de mon père. Donc, ne sabotez pas mon commerce, s'il vous plaît. Parce que moi, je ne sabote pas le commerce de quelqu'un. Si vous venez saboter mon commerce, si vous voulez saboter, vous voulez saboter, vous n'avez qu'à saboter. Moi, je ne peux que vous encourager. Je ne peux que vous encourager. Vous avez vu? La vieille est là. Vous allez venir saboter. En même temps, elle met ses genoux par terre. Que merci Seigneur que ma fille puisse faire quelque chose de bien dans sa vie aussi pour une fois. Vous venez saboter. Feu sur vous. Je ne peux que dire feu sur vous. Hein. Donc, je vais vous laisser en disant bon dimanche à tout le monde. Et merci à tous ceux-là qui ont passé leur commande. Beaucoup vont être livrés lundi. Ne vous inquiétez pas, vous allez être livrés lundi. Vous aurez la peau de Rihanna. Je vous promets déjà d'avoir la peau de Rihanna. Le teint de Rihanna, pas la peau. Le teint de Rihanna, autant pour moi. C'est-à-dire, comme on entrera bientôt dans en hiver, là, l'été, puisqu'en hiver, vous allez mettre beaucoup plus de pantalons. Quand vous allez mettre les culottes, hein, l'été prochain, vous allez m'acheter des bouteilles de champagne. Et voilà, comme on dit souvent, la bouche doit demander. Donc, mes fans, il faudrait que quand je commence à faire les directs, maintenant que je sois un... Donc, envoyez-moi le make-up. Vous voyez, non. Tous les accessoires pour le make-up. Je suis fatigué toujours qu'on entend se moquer de moi. On dit que je suis. Envoyez-moi, moi aussi, je veux commencer à me maquiller aussi, mais le make-up. Moi, il n'aime pas trop les lunettes. Moi, il met les lunettes seulement quand il y a le soleil. Parce qu'il sait que les lunettes, c'est quand il y a le soleil. Donc, je veux le make-up. Avant de lancer le direct, une demi-heure avant, je make-up aussi. Voilà. Sur ce, je vous aime, je vous embrasse et bon dimanche à tout le monde. Donc, appelez, vous commandez. Je vais aller à Paris tout à l'heure. Juste le temps que mon père souffle un peu et on prend la route. Donc, bisous à tout le monde et puis bye bye. On va rigoler un peu de la matière. Bisous, bon dimanche à tout le monde. Merci.